Rebonsoir à tous, rebonsoir, bienvenue, merci pour nos invités. Bonsoir, rebonsoir, bienvenue sur le plateau de Ça se discute. La soirée continue sur France 2. Après cette comédie qui nous montrait que la séduction passe parfois par le mensonge, mais mentir n'est pas réservé qu'aux séducteurs. Tout le monde ment, c'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Certains mensonges ont pour but de ne pas blesser, de ne pas créer des remous, même si on le pense très fort, on quitte rarement un dîner en disant merci, votre intérieur est immonde, votre robe est vulgaire et les plats étaient immangeables. Pour rendre un semblant de vie sociale possible, par omission, parfois par lâcheté, pour protéger quelqu'un, pour se protéger soi-même, il y a toujours une bonne raison de mentir. Il y a ceux qui mentent pour séduire, ceux qui pour trouver un travail se sont inventés une carrière, ceux encore qui pour fuir une réalité qu'ils trouvent trop terne se sont inventés un passé, une nouvelle identité, un personnage dont il est parfois ensuite difficile de sortir. Alors quels sont les mensonges tolérables par soi-même et par les autres? Peut-on vivre toute une vie dans le mensonge? Peut-on devenir prisonnier de ses propres mensonges? Faut-il tricher pour être heureux? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Des menteurs heureux ou malheureux et des victimes indulgentes ou amères. On commence avec Anne, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous vous définissez comme une menteuse pathologique, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est-à-dire que je mens depuis mon plus jeune âge et constamment. J'ai l'impression que ma vie est moins ennuyeuse en mentant que si je disais tout le temps la vérité. Voilà. Votre plus gros mensonge? Eh bien, j'étais enceinte de Bernard Tapie. C'est un mensonge? C'est un mensonge, non, ouais. C'est un mensonge, mais ouais. J'étais avec quelqu'un. Mais à qui vous avez dit ça? À une amie. Elle le croit encore? Elle le croit encore parce qu'elle était... Je l'ai mise à elle seule dans la confidence. C'est-à-dire que tout le monde savait que... Ah, elle seule sait que... Voilà, elle seule que pense, croit savoir. Quoi, croit savoir que, que c'était de Bernard Tapie. Ouais. Donc, comme il vous était étiez prévu... vraiment enceinte? J'étais vraiment enceinte donc d'un ami. Bon, il était prévu que je me fasse avorter. Et cette amie, je lui ai fait croire que j'étais enceinte de Bernard Tapie, que j'avais rencontré. Ça vous a fait délire? Ah oui, que vous avez eu de la commande, d'accord. Oui, parce qu'après, quand on se voyait, qu'il y avait donc le vrai géniteur, elle me faisait des clins d'œil en coin et tout. Et moi, je riais intérieurement de me dire, est-ce qu'elle est bête alors? Ça vous amuse, quoi. Ça vous amuse de raconter des histoires de... Vous vous racontez des histoires, vous finissez par y croire ou... Non. Non, vous savez qu'il attention, n'est pas de Bernard Tapie. Non, d'accord. Non, je ne suis pas mythomane. Hein. Je sais très bien que je raconte des mensonges. Voilà, je n'y crois pas. Hein. On fera la nuance tout à l'heure entre la menteuse pathologique que vous dites être et ceux qui sont devenus tout véritablement mythomanes. À vos côtés, Sabine et Anne-Laure, bonsoir à toutes les deux, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous allez nous raconter quel mensonge a permis de devenir amie alors que vous étiez, sans le savoir, rivale pendant des années. Nous avions le même conjoint. En même temps, bien évidemment. Sans que nous le sachions, ni l'une ni l'autre, évidemment. Pendant combien de temps de vie commune, entre, enfin, si je peux quatre me permettre ans. Nous avons été ensemble, sans le savoir, pendant 4 ans. Vous l'avez partagé pendant 4 ans? Nous l'avons partagé pendant 4 ans. Ça veut dire qu'il a réussi à organiser sa vie, des mensonges? Tout à fait. Ouais. Vous l'appelez le serial lover, comme un serial killer? Oui, pourquoi pas, oui. Ouais. Oui, il est très très organisé, parce que, évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans cette histoire. Ouais. Ça lui est déjà arrivé d'autres moments. Il y a plusieurs femmes comme ça qui ont cru qu'elles étaient la seule? Quatre. Avec qui il a eu des enfants? Oui. Oui. Vous avez chacune eu un enfant, oui. Avec cet homme? Oui. D'accord. Que vous revoyez encore? Moi, oui. Non. Ah. Vous êtes par ordre d'arrivée, comme on dit? par ordre d'arrivée, nous sommes numérotés pour plus de facilité de compréhension parce qu'on avait du mal à s'y retrouver. Donc, moi, je suis la numéro 3 dans l'histoire de ce monsieur. Et je suis la numéro 2. D'accord. Voilà. Donc il y a une numéro 1. Il y a une numéro 1 qui a été en double vie avec... Avec moi. Avec vous, mais avant. Oui, dans cette fois-ci, années voilà. Aussi. Où il y a eu aussi un moment de... On expliquera un peu plus tard en détail tout à l'heure, parce que c'est assez compliqué, c'est une histoire assez rare. Vous en souriez toutes les deux ce soir, mais j'imagine que ça n'a pas été tous les jours, rigolo. Quoi. Pas très, non. Non. Julie est également notre invitée. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous menez une double vie sans pour autant éprouver de sentiments de culpabilité. Pourtant, vous considérez le mensonge comme le pire des défauts. Il faudra nous expliquer plus tard ce paradoxe. Quelle vie secrète vivez-vous donc sans complexe, sans culpabilité? J'ai une double vie, oui. Je vis la nuit, le jour. Alors le jour. De par mon métier. Et le jour, je suis avec quelqu'un et ça se passe très très bien. Je suis amoureuse. Et la nuit? Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas tout à fait comme ça. J'ai des aventures, on va dire. Voilà. Homme, femme. Et ça me plaît beaucoup. Je mens parce que c'est mieux comme ça, ouais. Pour pas faire de mal? Mm-hmm. Ouais. Mais si vous avez une vie la nuit et une vie le jour, vous dormez quand? Enfin, c'est une question un peu... Très peu. Très peu, très peu. Sylvie est également notre invitée. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Très tôt, à l'âge de 5 ans, votre maman vous a présenté son amant en vous disant qu'il était aussi votre papa.
Le secret a été gardé bien longtemps. Vous n'avez notamment jamais révélé à celui qui vous élevait, que vous appeliez papa, qui n'était pas votre véritable père, même si vous le saviez depuis que vous étiez toute petite. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Il n'est plus là aujourd'hui, donc vous pouvez en parler plus librement, même si vous préférez, comme d'autres, témoigner avec des lunettes qui protègent du soleil. Je présente maintenant celui qui conclura l'émission tout à l'heure. Il s'agit d'un comédien dans la vie et qui est menteur dans une pièce intitulée « Un père et père » qu'il s'apprête à jouer au Théâtre de la Michaudière à partir du 8 novembre. Je vous demande d'accueillir Roland Giraud, s'il vous plaît. Bonsoir Roland. Quel genre de menteur vous interprétez dans « Un père et père » ? Bon, c'est un homme qui ment pour se faciliter la vie, un peu comme... on a entendu des choses très étonnantes. Là, vous savez qu'il y a déjà au moins 9 scénarios de films et 9 pièces de théâtre à faire. Ouais. Alors là, dans la pièce que je joue, et dans Un père et père, je fais un menteur, oui, qui ment par nécessité, et aussi, attention, c'est une pièce de théâtre, par nécessité dramatique. Parce que vous savez qu'il y a des choses au théâtre qui sont ridicules des fois, mais, ouais. mais qui sont très payantes. Non, mais le mensonge est un bon ressort comique en plus, non ? Le mensonge et le quiproquo sont d'excellents ressorts comiques, mais moi je suis un menteur professionnel. Ah bon. Que je le fais que quand je suis payé. Vous arrivez à faire la différence dans la vie, évidemment, dans la vie je ne mens jamais, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je dirais un mensonge ce soir, je vous laisserai le choix de choisir si c'est vrai ou non. Je dirais un, c'est tout. Au cours de la soirée, d'accord. Un gros, hein. Donc on jouera à la fin de l'émission. Mais à en gros, des fois, ça peut être parfaitement louable. Vous savez, moi, il m'arrive de temps en temps de dire de gros mensonges, mais c'est dans un but très, très, très moral, en fait, très louable. À l'instant, vous disiez que vous ne mentez pas dans la vie. Est-ce que vous avez menti? C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que tu en as d'une émission sur le mensonge? Parce qu'il y a une émission sur le mensonge. Une émission générale, je vous dirai sur le mensonge après. Mais une émission générale, j'attends qu'elle soit très intéressante, que les gens ne se sautent pas dessus, que les gens s'écoutent, ce qui est très important, car je crois qu'il y a un gros problème à notre époque, c'est que surtout dans les débats télévisés, les gens ne s'écoutent pas, ils restent leur truc, donc que les gens s'écoutent, qu'il y ait une bonne humeur, inégalée à ce jour dans une émission de télévision. Voilà ce que je souhaite. Eh bien, Roland, on va essayer de réussir. Je suis sûr qu'on va y arriver. D'accord. Alors, Michel, bonsoir et bienvenue parmi nous. Je pense que vous, l'idée même du mensonge, je ne veux pas rigoler tous les jours. Oui, bien sûr. Vous avez découvert 50 ans après votre naissance que vos parents n'étaient pas vos vrais parents. C'était il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant. Cette révélation a depuis bouleversé votre vie, à tel point que votre vie... Un cataclysme. C'est ça. C'est-à-dire que avant ça, vous étiez plutôt heureux. J'avais confiance en mes parents adoptifs. Et depuis, ça vous a complètement bouleversé. Depuis, c'est une trahison pour moi, oui. Et ma vie est complètement chamboulée à cause de ça. Je me pose des questions en permanence, en fait. J'en suis à me dire, en fait, cette chair que je porte, à qui est-elle? Et en ce qui concerne la barbe que vous portez, je précise que vous avez décidé de la laisser pousser. Jusqu'au jour où je retrouverai ma mère. On regarde un extrait du reportage qu'on vous a consacré. Il faut absolument demander à vos parents adoptifs la vérité. Sinon, faites des recherches sur ce qui a été fait avant la mairie. Ben ça, c'est une lettre anonyme que j'ai reçue le 2 mars 1984. J'avais 37 ans à l'époque. C'est vrai qu'on a, pendant plusieurs nuits, on n'a pas dormi, on se posait des questions. Michel n'arrêtait pas de dire « je suis plus personne, je ne vaux plus rien », il doutait de lui. Alors ? Je regarde les photos, là. Ah oui. Oh, et donc, est-ce que tu étais blond, regarde. Blanc, moi, c'est ces photos que j'adore, là, celle-ci de 51, là. Tout est faux, en fait. Là, je vois une mère et son enfant, et en fait, c'est pas une véritable mère. Oui, bien sûr, je savais. Oui, il y a bien longtemps que je savais. Comment je sais, je ne le sais pas, mais je le savais. Et vous avez rien dit? Eh non, bien sûr. Parce qu'on savait qu'il fallait pas le dire, donc on ne le disait pas. Ouais, ça doit être encore pire de savoir que beaucoup de gens le savaient autour de vous. Voilà. Et que vous l'avez découvert par dénonciation, en fait. En définitive, j'étais le seul à ne pas le savoir. Toute la famille le savait et j'étais le seul à ne pas savoir. Et ceux qui vous ont élevé, votre mère et votre père adoptif, donc, aujourd'hui, une fois que vous les mettez devant le fait accompli, comment ils réagissent-ils, eux? Ils continuent à camoufler des choses. Ils sont mis devant le fait accompli parce qu'en fait, j'ai découvert, il y a l'acte de naissance qui est là, fort heureusement. Mmh. Mais à part cela, ils continuent à vivre en définitive comme si de rien n'était. Et si je leur parle, ils vont me parler d'autre chose que du sujet principal qui me concerne, qui est ma vie. Et, ce qui serait remettre en cause une très grande partie de leur existence, quoi. Oui, j'imagine. Bien sûr, mais en... cinquantaine d'années. Voilà, 50 ans. Ouais. À 50 ans, j'ai découvert, j'étais adopté. Et vous cherchez toujours votre maman?
Alors, ma vie passe par là, désormais. Hein. C'est le but de ma vie. Catherine Herrel et Jean-Louis Abad, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes présents sur ce plateau pour nous parler d'un homme qui a vécu pendant près de 20 ans dans la peau d'un personnage qui s'était complètement créé. C'est l'histoire de Jean-Claude Roman, qui se fait passer pour un médecin et chercheur auprès de tous ses proches. C'est un mensonge qui a fini en tragédie au moment où il allait être découvert. Il a tué sa femme, il a tué ses enfants, il a tué ses parents avant de manquer son suicide. Aujourd'hui, il est en prison, il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Jean-Louis, vous avez défendu cet homme. Catherine, vous êtes journaliste, vous avez rencontré tous ses proches, ses amis, ceux qui croyaient être ses collègues de travail, puisqu'il ne travaillait pas là où il le prétendait, sa belle famille également. Vous avez réuni ces témoignages dans un documentaire intitulé justement « Le roman d'un menteur », coécrit avec Gilles Cayatte. En voici un extrait. Il a pu monter les étages, aller à la bibliothèque, aller prendre son repas à l'OMS, même bénéficier aussi de la cafétéria, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Il pouvait être ici comme chez lui. Quand vous avez un ami et qu'il vous dit qu'il fait cela, la première chose que vous faites, c'est pas forcément d'aller vérifier. Il y a un élément qui, pour moi, après coup, s'explique. C'était quelqu'un qui suait énormément, qui transpirait énormément. Ma sœur le relevait. D'ailleurs, une chemise, pour elle, il en changeait deux fois par jour. Et je pense que son mensonge et son personnage étaient tellement difficiles psychologiquement à faire vivre et à assumer qu'il était en permanence sur le pied de guerre. Voilà, donc un homme qui est actuellement en prison. Vous avez donc enquêté dans son entourage. Vous avez découvert des surprises aussi grandes que son mensonge, à savoir vivre 18 ans complètement dans la peau d'un autre. Oui, on a découvert plein de petits mensonges qui n'étaient pas apparus au procès. C'est une vie de mensonges, c'est un enchaînement, c'est un tissu continu de mensonges. Jean-Claude Roman a menti aux siens les plus proches, à ses familles, à ses parents, à ses amis et... Il s'est carrément inventé une autre vie, quoi. C'est même au-delà du mensonge. Voilà. Quoi. Et c'est presque menti à lui-même. Ses parents auraient souhaité qu'il soit médecin, par exemple. On en reparlera, mais c'est vrai que c'est un parcours qui est tellement extraordinaire au sens premier du terme qu'on en reparlera sans doute dans l'émission. Mais je crois qu'il faut replacer l'histoire de Roman à partir de sa naissance, à partir de son milieu familial et à partir de son premier mensonge. Donc on verra un extrait de ce documentaire plus tard. Maître Abad, je précise que vous êtes sur ce plateau après avoir demandé à... L'accord de l'intéressé. Aujourd'hui, il fait face à la réalité ? Écoutez, aujourd'hui, il expie. Pour longtemps encore. Mais il accepte la réalité ? Il souffre. Cette réalité, elle le dépasse. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de souffrance et un jour de recherche de ce personnage qu'il s'est inventé et de ce qu'il est véritablement lui-même. Alors, je vous présente maintenant celle qui est l'actrice d'un film plus joyeux que les histoires qu'on vient d'entendre ces derniers moments. Il s'agit d'Élise Tilroy. Bonsoir, Élise. Bonsoir. Vous êtes donc comédienne, vous interprétez le rôle de Catherine dans le film que nous venons de voir. C'était amusant de jouer une menteuse, de jouer à mentir. C'était super. Ouais. ça vous a rappelé des souvenirs? Est-ce qu'il faut naturellement être un peu menteuse pour jouer une menteuse? Ça nous permet justement de s'éclater, de révéler des parties de nous-mêmes qui autrement certainement seraient en sommeil ou complètement inexploitées ou qu'on ne soupçonnerait même pas. Et d'un autre côté, ça donne envie d'être encore plus vrai dans la vie. Merci. Qui a vu le film de ce soir? Anne, vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, je trouve que c'est tout à fait dans mon esprit. C'est des mensonges qui font de mal à personne. Bon, vous voyez bien que quand elle se rend compte qu'elle l'aime vraiment, bon, ils se disent la vérité tous les deux. Oui. Et puis peut-être qu'elle n'aurait pas été séduite par lui, et lui pareillement, s'il n'avait pas menti tous les deux. Elle ment pas sur ce qu'elle est intrinsèquement, elle ment pas sur ses sentiments, elle fait un mensonge social. Sur sa situation. Sur sa situation. Ça arrive, je pense, à beaucoup. D'enjoliver un peu les choses. Mais sur ce qu'elle est au fond, il n'y a aucun moment où elle est fausse. Anne-Laure et Sabine, vous avez vu le film aussi? Oui, oui. Quelles ont été vos réflexions? Il ne s'agit pas d'un documentaire, évidemment, mais d'une comédie. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit la comédienne. Et que, bon, c'est un mensonge social. Et c'est vrai que c'est très difficile de glisser vers le mensonge. C'est la facilité, c'est un engrenage. Et on a du mal à s'en sortir, mais lui s'en sort très bien dans le film. Donc, vous avez réussi à comprendre celui qui vous a menti à toutes les deux pendant des années
comprendre, au sens à l'accepter, enfin à lui pardonner, quoi, à se dire. Ah, moi, oui, je lui ai pardonné, ouais. Parce que bon, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des ressentiments indéfiniment, enfin, des années. Gwenor ? Moi, je ne l'ai pas pardonné, j'ai oublié. J'estime que c'est une autre vie, c'était le passé. Lionel, vous avez été marié pendant combien de temps ? 13 ans. 13 ans, vous avez eu 3 enfants, vous avez toujours 3 enfants. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même, donc, après 10 années de mariage ? Que j'étais homosexuel. Comment c'est arrivé ? Je ne sais pas, je veux dire par là, comment vous vous en êtes rendu compte ? Au départ, j'avais une attirance pour les hommes. Un homme qui me plaisait dans la rue, je me détournais pour le regarder. À la télévision, je mettais, au lieu d'éteindre la télé, j'attendais un peu plus longtemps pour aller jusqu'au bout de ce visage, de ce corps qui me plaisait. Dès le début de votre mariage ? Non, plus tard. À peu près 4 ans après, quoi. Bon, c'est quelque chose qui ne m'empêchait pas de vivre, en fait. Et après, ça c'est... quand je me suis marié, notamment, je me suis marié par amour. C'est pas... Je me suis pas marié pour dire je me marie, je fais comme tout le monde, non. J'ai eu des enfants avec mon ex-femme. On les a fait avec beaucoup d'amour. Et puis en 96, nos filles ont eu des problèmes de santé. Et là, j'ai commencé un petit peu à perdre un petit peu... Je culpabilisais beaucoup, en fait, par rapport aux problèmes qu'avaient mes filles. Et là, j'ai commencé à aller chercher ailleurs. Ce dont vous aviez envie depuis toujours ou quelque chose pour oublier ? Le désir des hommes s'est fait plus présent à ce moment-là. Et donc, il y avait le besoin de concrétiser quelque chose, quoi. Vous avez donc mené pendant 3 ans ce qu'on peut appeler une double vie ? Oui. 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 Quel regard vous portiez sur vous-même pendant ces 3 années de mensonge ? C'est une période que j'aimerais oublier, parce que c'est... J'ai honte de moi. Et Vous aviez honte du mensonge ? Vous aviez honte de vous être trompé de sexualité ? J'avais honte, oui, de mentir. Quand j'avais des relations avec des hommes, je ne me disais pas que je trompais ma femme en ayant une relation sexuelle avec un homme, mais je la trompais en ne lui disant pas ce que je devenais, quoi. Ouais, peut-être que vous vouliez pas lui faire de la peine aussi. Oui, il y avait ça, et puis la peur aussi de perdre mes enfants. C'était difficile d'organiser une double vie comme celle-ci ? Il fallait trouver un mensonge le soir. Enfin, moi, je sortais beaucoup le soir, en fait. À la suite du problème de santé de mes filles, j'ai sombré petit à petit dans la dépression. Et pour fuir ce quotidien, cette vie de couple qui n'en était plus une, enfin, qui s'est dégradée au fur et à mesure, j'avais trouvé en fait le prétexte le soir en disant « je me sens pas bien, il faut que j'aille prendre l'air, j'étouffe ». Aujourd'hui, donc, vous êtes divorcé, vos 3 enfants vivent en alternance avec votre épouse et avec vous-même. Donc, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente et un terrain de compréhension, à tel point que si votre femme n'a pas voulu témoigner, elle a accepté volontiers que vos enfants puissent s'exprimer dans ce reportage qu'on va voir ce soir, où vous revenez sur ce que vous avez vécu tous ensemble, d'abord dans l'ombre, puis enfin dans la lumière. Reportage d'Ève Langlard et de Ludovic Fortin. Dans la voiture, je claquais pas la porte, en fait. Je reculais la voiture sans mettre le contact pour pas éveiller les soupçons aussi bien de mes enfants, si toutefois ils étaient réveillés, puis même du voisinage, en fait, en habitant en lotissement. C'était devenu une drogue. Il fallait. Je pouvais pas vivre sans sentir le toucher d'un homme sur, ne serait-ce que sur ma main, quoi, ou la chaleur d'un souffle sur mon cou, ou une relation après plus poussée, quoi. Ma raison de vivre, c'était plus ceux qui m'entouraient, mes enfants, ma femme, qui m'aimaient, c'était plus eux ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'était de rencontrer des hommes. Sur le chemin qui m'amenait donc au lieu de rencontre, par exemple, je me parlais. Je me parlais beaucoup. Qu'est-ce que vous disiez ? En me disant, t'es un dégueulasse, un salaud, je sais pas s'il faut que je le dise, parce que t'es en train de mentir. Ceux qui t'aiment,
Pendant 3 ans, Lionel a vécu cette double vie faite d'aventures clandestines. Occasionnellement au départ, puis de plus en plus souvent, il se rend dans ce lieu à l'écart de la ville où se rencontrent les homosexuels. En arrivant sur le lieu de drague, je me sentais très bien puisque je me retrouvais dans mon élément. J'avais fui ce qui me pesait, cette vie de couple où, enfin, qu'on appelait une vie de couple mais qui n'en était plus une. Il m'est arrivé de croiser les hommes avec qui j'avais eu des relations en extérieur, dans les magasins. Moi, j'étais accompagné de ma petite famille, eux, de la leur. Et en fait, on se regardait furtivement, en fait, avec peut-être une certaine honte. Au bout de 3 ans, Lionel finit par ne plus supporter de vivre dans le mensonge. N'arrivant pas à annoncer son homosexualité à sa femme, il se confie à son médecin traitant. J'étais venu vous voir, c'était un vendredi, en vous disant, là, j'en peux plus. Vous m'avez dit, si vous continuez comme ça, vous allez faire une connerie. Et je vous ai répondu oui. J'ai dit, il faut que ça éclate, je suis pas capable de le dire. Et, quand vous dites faire une connerie, vous avez pensé à quoi? Au suicide, d'emblée. Et je pense que je pense vous avoir dit le mot, hein, monsieur Lelong. Et là, vous m'avez dit, je peux faire quelque chose pour vous. Je peux, oui, en fait, prendre si vous m'autorisez à le dire à votre femme, je peux le lui dire. Puisqu'elle est venue en consultation pour un problème de santé réelle, je lui ai dit, vous savez, j'ai peur qu'il fasse une bêtise, vous avez vu dans quel état, c'est tout juste s'il mange, je préférerais quand même vous dire quelques mots à son sujet, si vous le voulez bien. Et quand je lui ai annoncé l'homosexualité de son mari, elle a pris ça d'une manière stoïque, sans répondre, et elle m'a même pas dit je m'en doutais ou il fallait que ça m'arrive, non. Le soir, on s'est retrouvés quand même dans le même lit, avec une grande distance entre elle et moi. Le lendemain matin, moi, je suis parti au travail. Quand je suis revenu en début d'après-midi, elle pleurait. Elle était ivre. J'ai pris conscience que je lui avais fait du mal, que ce qu'elle avait appris, c'était quelque chose de très douloureux. Je ne l'ai même pas aidée à se relever. Parce que je me suis dit, là, ça y est, elle le sait, c'est donc forcément cassé entre elle et moi. C'est progressivement que le mensonge s'était installé dans la vie de couple de Lionel. Pendant 10 ans, ça a été quelque chose de formidable. Et ça, à partir du moment où mon désir homosexuel était beaucoup plus fort, ça s'est stoppé, quoi. Ça s'est stoppé au 10e anniversaire de notre mariage, en fait. Les 10 premières années, ça a été merveilleux. Et après, ça a été, pour moi, une descente aux enfers. Avec le mensonge qui s'installait, cette peur de me dévoiler à moi-même ce que j'étais en train de devenir, et forcément de peur de le dévoiler après, d'abord à ceux qui nous entourent, et puis après au reste du monde, si on va aller par là, quoi. Donc tout le monde a bien mangé, il reste de la place pour le dessert, pour le bon gâteau d'anniversaire. Allez, allez les filles, vous allez devoir souffler quand même, 14 ans, hein? Ça se fête. Ouais. Ça se fête. Ouais. Aujourd'hui, Lionel a la garde alternée de ses enfants, avec lesquels, une semaine sur deux, il partage une vie de famille auprès de son compagnon, Tony. Il y a des problèmes, hein. Apparemment, moi, j'étais le dernier à être mis au courant. Oui, parce que ta maman ne voulait pas que tu sois mis au courant. Oui, mais... Et en fait, c'est même moi. T'aurais pu me le dire avant, quoi. Ouais. Oui, mais dis, ta maman, elle l'a su le lundi. Et nous, c'est le samedi. Et vous, elle a dû vous en parler le mercredi, aux filles, et puis moi, je vous l'ai dit le samedi. Mmh. Donc il n'y a pas eu un temps trop long quand même. Et vous, comment vous avez réagi à ce moment-là, en fait? Vous avez bizarre. Je m'attendais un petit peu, mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Vous aviez des doutes, en fait. Bah, oui, il y avait mais des choses qui laissaient passer, qui laissaient supposer que ça ne collait plus. Mmh, ouais, vous ne causiez plus pareil. Comment vous vous en rendiez compte, en fait, vous? Vous ne vous causiez plus à la télé. Qu'est-ce que je disais? T'accrochais plus, par exemple, quand il y avait des mecs, quoi. Ah ouais, tu t'en étais rendu compte, toi? Ouais, pas con. C'est compréhensible de pas le dire tout de suite. Pourquoi? Je sais pas, révéler à la personne avec qui on vit qu'on est homo, c'est peut-être dire je t'aime plus pour ce que t'es. C'est ça. T'as peur de blesser l'autre personne. Moi, personnellement, je me verrais pas dire ça plus tard, moi. Avant que ça se sache, est-ce que vous avez l'impression que j'étais un père attentif ou un père,
un père comme ça, là, qui rentrait du boulot, qui vous disait est-ce que j'étais agressif envers vous? Bah oui. Tu étais déjà nerveux, quoi. Mais parce que je ne vous supportais pas. Bah oui. Je ne me supportais pas moi. Donc je ne supportais pas les autres. Et depuis que les choses sont dites? Bah, c'est mieux. Chacun est à sa place, et puis voilà, quoi. On se respecte mutuellement, hein, chacun dans nos éléments. Et puis, bah, y a de la discussion. Ouais. Hein, on se confie des choses. Bah, oui. Hein. Quand j'ai rencontré Tony, vous avez été mis dans la confidence dès le début. De toute façon, ça se voyait trop. Ah bon? Bah, oui, ça se voyait vachement. Hein. Ah, comment? Pour être pleinement lui-même, Lionel devait encore annoncer la vérité à son entourage, notamment professionnel. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il était homosexuel. Et comme il était marié et qu'il avait des enfants, bah, je me suis dit, il s'est trompé. Je me suis trompée, plus exactement. Bon, au départ, il voulait... Enfin, j'irai te porter ça. Ben non, tu me l'emmèneras au travail. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. Et puis, c'est peu de temps après. Bon, quand j'étais chez toi, je voulais te ramener tes affaires. Et puis, on était au pied de l'immeuble, à la voiture. Et puis, tu m'as dit, il faut que je te dise quelque chose. Mais comme tu n'arrivais pas à le dire, je t'ai dit, j'ai compris. Et tu m'as dit, il y a quelqu'un chez moi et c'est pas une femme. Oui. Et puis, je veux... À la limite, j'aurais envie que ça n'existe plus, mais comme dans les communes, il y avait le tambour, quoi, que à la limite, que tout le monde le sache, quoi. Et aujourd'hui, l'idée de voir un jour vous retrouver confronté à une situation de mensonge, c'est quelque chose que vous ne pourriez plus... Dans notre couple? Ah, je ne supporterais pas de mensonge. On va pas retomber là-dedans. Non, impossible. Monsieur Bortage. Qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça? Qu'est-ce qui fait sourire comme ça? Visiblement, ça, c'est un mensonge révélé comme ça. Et le plus dur, c'est le moment de la révélation. Ouais, c'est bien de dire. Ouais, le moment où vous avez attendu votre femme, quand elle sortait de chez le médecin, vous saviez qu'il allait lui dire. Ouais, j'imagine, ça doit être, même si c'est court, ça doit être long, quoi. C'est très long, oui. En fait, elle est revenue de chez le médecin. Je m'occupais des enfants qui étaient revenus de l'école. Et je faisais 100 pas dans la cuisine en train de... Toujours à la fenêtre en train de regarder voir si elle arrive, quoi. Et effectivement, à un moment donné, elle est arrivée. Je suis sorti, ouvrir la porte du garage et j'ai regardé son visage et elle m'a souri. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il lui a pas dit, c'est impossible, quoi. Et puis après, on s'occupait de nos enfants normalement. À cette époque, on dînait en fait après eux pour. Il lui avait dit ou pas? Mais je ne savais pas en fait. Ouais. Et quand une fois que les enfants ont été couchés, on s'est donc mis à table tous les deux. Et là, elle m'a dit que ce qu'elle avait appris, elle aurait préféré que ce soit moi qui lui dise, quoi. Elle vous a dit qu'elle s'en doutait d'une manière ou d'une autre? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Mmh. C'est frappant de voir ce que les enfants en parlent avec beaucoup de naturel. Ah ouais. Hein. C'est très, très frappant. Dans seulement trois ans plus tard, alors que les grands ont 14 ans. Oui, ouais. Oui, c'est leur façon d'être. Ouais. Ils comprennent tout, les enfants. Ça doit faire regretter d'avoir attendu aussi longtemps, quoi. C'est ça? Oui, ou de ne pas l'avoir dit. Ou de ne pas l'avoir dit, c'est ça, je veux dire. De pas, oui. C'est vrai que eux, ils m'ont pardonné. Ils m'ont pardonné sans... Sans vous avoir chargé pour autant auparavant. Julie, depuis toujours, vous vivez une double vie, ça veut dire que vous n'avez jamais été fidèle au sens où on l'entend aujourd'hui. Un petit peu. J'étais plus jeune. Oui. Alors, c'est pas une émission où on va parler de fidélité ou d'infidélité, mais du mensonge qui l'accompagne, évidemment. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous avez vécu avec des hommes en les trompant. Est-ce que vous avez parfois dit la vérité aux hommes que vous avez connus? J'ai essayé de la dire. J'ai toujours essayé, en fait, d'avoir une espèce de transparence. Et pour moi, ce qui compte... Le plus, contrairement à la maxime qu'on a lue derrière, le pire dans un couple, c'est la franchise. Non, je crois pas. Je crois que c'est ça le plus important. Maintenant, je pense encore une fois qu'on ne peut pas, dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, dans un couple traditionnel, dire la vérité. Peut-être aussi parce que ça fait de la peine. Sans parler du poids de la société et l'obligation d'être comme ci ou comme ça, ça fait de la peine à l'autre. Il est clair qu'il y a un discours à avoir derrière, il y a une discussion, il y a un échange à avoir. C'est toujours pareil, quand vous trompez les gens, vous inventez des histoires, évidemment, qui se sentent flouées. Et c'est là que ça fait du mal. Si dès le départ, vous dites « moi, je suis comme ça »,
Ma vie, elle est comme celle-là. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller exactement où j'ai envie d'aller et d'avoir exactement les rapports sexuels ou autres que j'ai envie d'avoir avec d'autres personnes. À partir de ce moment-là, où est la tromperie? Où est le mal? Vous vivez donc avec un homme au sein d'un couple hétérosexuel. La nuit, vous vous transformez en chasseuse ou en chasseresse à la recherche d'aventures avec des hommes et des femmes. Votre compagnon ne sait rien de ces aventures nocturnes. Pourquoi vous... Ça fait longtemps que vous êtes avec lui, enfin, sans préciser, parce que vous avez... 3 ans et demi. 3 ans et demi, oui. Donc ça fait 3 ans et demi que vous faites, dès le début de votre relation, vous avez commencé à aller voir ailleurs. Pas tout à fait, mais parce qu'on a vécu une énorme passion, donc assez prenante. Et puis petit à petit, les choses s'érodent dans un couple. Et j'ai commencé à aller voir ailleurs, oui. C'est une espèce de démon, vous savez, qui vous prend. Et ça vous prend aussi souvent, ce démon? Oui. Tous les jours, si je... enfin toutes les nuits, oui, si je m'écoute, oui. Lionel nous a décrit ses souffrances liées au poids du mensonge. Est-ce qu'il vous arrive de culpabiliser, vous aussi, du fait de rentrer le matin et de ne pas dire la vérité, quoi ? Je ne peux pas dire que je culpabilise, puisque pour moi, il est clair que j'ai essayé de dire la vérité à mon ami et que ça s'est très très mal fini. C'était comment avez-vous essayé ? J'ai essayé de lui parler et de lui dire, mais tu sais que tu n'es pas forcément le seul dans ma vie. Tu sais, ah bon, que j'ai d'autres aventures. Et alors là, ça a été fermeture totale, terminée, on n'en parle plus. J'ai essayé de revenir à la charge le même soir. Et ça a été une violence. Enfin, c'est vraiment chamaillé, on va dire. Ce sont des aventures d'un soir? Oui, globalement. Je suis amoureuse de quelqu'un. Donc, Est-ce que vous prenez une part de plaisir dans le mensonge? Non. C'est pas une situation qui me sied. Ce qui me sied, c'est de vivre différemment à un moment donné dans ma vie. Donc la nuit, donc c'est ça, ça revient oui, souvent oui, la nuit. Hein. Mais c'est ça qui m'intéresse. En fait, si vous pouviez ne pas mentir, ce serait encore mieux. Ben, bien sûr. Ça met un piment, c'est clair. Et je comprends ce que dit Anne sur le piment, de pousser les gens. Je veux dire, ça peut m'arriver de mentir la nuit. Je vais mentir sur mon identité, mais je veux dire... Qu'est-ce que vous racontez, par exemple? Je change, je dis que je suis flic, ou des trucs dans ce genre-là. Je m'invente des histoires. Pour jouer des rôles différents? Ouais. Pour provoquer les gens, pour provoquer ce truc-là, effectivement, pour voir comment les gens se positionnent. Et pour draguer, d'être flic, ça aide? Mais oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour draguer, évidemment, c'est génial. D'être flic? Pas forcément d'être flic, mais d'être ce qu'on n'est pas. Et ce que je veux dire aussi, c'est que... C'est pas mal de séduire avec ce qu'on est, non, aussi. Enfin, je ne veux pas faire oui, le moral. Mais ça, j'ai à la maison, si vous voulez. Ah, d'accord, pardon. Bah oui. Séduisez avec ce que vous avez sur vous. Vous n'avez pas besoin. Non, c'est autre chose. C'est un risque, c'est une prise de risque aussi. Ça vous éloigne pas de votre conjoint avec le temps? Enfin, je veux dire, je sais pas... Ça crée pas une distance avec le temps? Si, c'est un... En fait, tout se passe... quand on redevient soi-même, parce qu'en fait, je ne suis pas celle que je suis le soir. J'en suis quasiment persuadée aujourd'hui. Donc, tout se passe quand il y a cette rupture-là. Et quand on redevient de jour ce qu'on est tout le temps, je ne sais pas si je suis claire. Non, je sais qu'il y a des pays, en tout cas, où il fait nuit 3 mois de suite. Voilà, hein, c'est ça. Maintenant, il ne faudrait pas que j'aille vivre là-bas. Ça serait terrible. Non, mais c'est le matin que ça se joue. Parce qu'en fait, je rentre très tard au petit matin. Et donc là, en l'occurrence, je vois des gens qui rentrent chez eux. Ou qui partent au travail. Ou qui partent au travail, ouais, oui. Ouais. Oui, pardon. Vous en voyez aussi qui rentrent chez travail, eux. Ouais. Et là, c'est là que ça se joue. Où je me sens mal à l'aise. Et c'est ce que je ressens aussi par rapport à mon ami. C'est ce mensonge, ce masque, en fait. Quoi, ces masques différents que vous portez la nuit? Il n'y en a qu'un? Globalement, il n'y en a qu'un. Donc, il y a une Julie masquée, une Julie démasquée. Laquelle des deux dit le plus la vérité? La démasquée. La démasquée? Bien sûr. Mais si vous croisez, par exemple, en plein jour, quelqu'un qui vous plaît, vous restez calme? Enfin, je veux dire par là... Tranquille. Ben, j'aurais beaucoup moins de facilité à aller l'aborder, ouais. Je suis plutôt quelqu'un de tranquille, ouais. C'est vrai que la nuit est souvent... un révélateur. Pour beaucoup, enfin pour ceux qui sortent en tout cas, un terrain agréable pour pouvoir exprimer la vie qu'on souhaite. Souvent, il y a plein de substances qui font qu'on n'est pas tout à fait soi-même non plus. Vous avez l'impression de vous mentir à vous-même aussi? Bien sûr. Oui. Dans quelles circonstances?
à travers ce double jeu. Une double personnalité, vous avez l'impression, qui suis-je ? Bien sûr. Ouais. C'est ces questions-là que je me pose. C'est ça qui me déchire le plus. Anne-Laure et Sabine, au regard de votre expérience commune, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'exprime cette femme, hein ? Je suis effarée par la vie de ma voisine. C'est-à-dire ? Je l'avais dit. Non, parce que... Vous avez dit la vérité ? Ah oui, mais moi, elle je dit parle. La vérité maintenant, oui, mais le plus sain, c'est peut-être de dire la vérité au quotidien. Est-ce que vous pensez que votre compagnon n'est pas un peu dupe parfois de certaines excuses ? C'est son problème. Alors si, ça c'est génial, c'est super intéressant comme sujet. Je pense qu'il n'est non seulement pas dupe, qu'il sait beaucoup de choses, qu'il ne se l'admet pas, hein, et que c'est aussi cette espèce de barrière qui est terrible. Pourquoi ne pas me vouloir entendre ma parole ? Parce que quelque part, est-ce que vous croyez que je suis à l'aise dans ça ? Pas. Ah oui, mais enfin... Non, mais je veux dire, on n'est pas à l'aise. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas à l'aise dans cette double vie, c'est clair. Ça, vous préféreriez que ce soit bien clair, que lui le sache, bah oui, que tout soit dit. Je pense que je me lasserai aussi d'un certain nombre de choses. Dans le paradoxe. Donc. C'est plein de paradoxes, tout ça. Oui, bah oui, oui bah, je suis désolée, mais. Non, mais la nature humaine, c'est pas très plus simple sur cette terre. Ça, oui, on le sait. Ça vous inspire quoi, vous ? Madame, le témoignage de oui, Julie. Oui, ce que je disais, le paradoxe en permanence, mais bon, ça doit être fatigant, enfin, j'imagine. Non. Mais bon, j'ai en même temps aussi beaucoup de respect pour ce qu'elle est, ce qu'elle dit. Hein. Je ne me permettrai absolument pas de Vous avez l'impression de trouver des points communs avec celui avec qui vous avez vécu, toutes les deux, et qui vivait des doubles vies successives, enfin oui, qui avait besoin de vivre plusieurs vies en même temps. Non, je me retrouve plus dans l'histoire de M. Roman. La manipulation était la même, les circonstances étaient les mêmes, les certains éléments de mensonge, de manipulation, sur l'entourage, c'était à peu près les mêmes choses, à peu près les mêmes éléments. Par exemple. Ben, la famille, l'entourage, puisque nous, évidemment, nous avions des enfants, des frères, donc forcément, tout le monde nous a vus en couple. Et quand tout le monde s'est aperçu qu'il y avait des doubles vies, tout le monde a été surpris, n'a pas compris. Les gens ont énormément de mal à réaliser, à dire, mais de qui tu parles ? Et vous-même, ça a été dur à réaliser ? Oui, un petit peu. Oui, c'est très dur. Et pour Anne-Laure ? Oui. Oui, oui, au moment où... Le poteau rose a été découvert, ça a été assez difficile à vivre. Mais la différence avec Sabine, c'est que j'avais des doutes. Je n'étais pas aussi incrédule, je dirais. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Crédule, au contraire. Oui, crédule, pardon. Et au niveau de ma famille, moi, par contre, il y avait beaucoup de questions. Beaucoup de questions étaient soulevées. Vous avez partagé combien de temps la vie de cet homme ? 4 ans. Toutes les deux ? Ah, toutes les deux. Non, non, moi, j'ai partagé la vie de cet homme, Christian, donc une petite dizaine d'années. Voilà, donc moi, une 12 petite ans. Dizaine et d'années. Et vous, 12 ans, oui. Vous quelques-unes en commun. Moi, la numéro 1 pendant 2 ans. Vous avez été 2 ans. Je suis la numéro 2, donc j'ai été... Donc il avait une famille avec enfants. Voilà, avec une femme. Enfants et une autre femme. Et il y a eu moi pendant quelques temps, j'ai appris très récemment que son divorce a été effectué après la naissance de notre enfant, de notre fille. Ouais. Voilà, puisque moi à l'époque j'étais persuadée qu'il était divorcé, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Et quand on aime quelqu'un, on fait confiance. Enfin, la base de l'amour, c'est ça pour moi, c'est de faire confiance. Et ensuite, donc, on a eu quelques années où il n'y avait pas d'autre double vie, mais beaucoup de ce que j'appellerais des satellites, d'autres femmes, des maîtresses. Et puis, les dernières années en commun, donc 4 ans en même temps que Sabine. Vous dites de vous-même que vous avez été un peu nouillasse. C'est moi. C'est vous, c'est nouillasse. Pardon, excusez-moi. La nouillasse, c'est... Nouillasse, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu ce qui était évident, absolument ça vous voulez pas, dire. Absolument pas. Je ne me suis jamais rendu compte de rien. Jamais. Mais par exemple, comment est-ce qu'il pouvait passer, là, je ne sais pas, un moment de sa vie dans la famille qu'il a créée avec vous, puis un autre moment avec vous, comment partageait-il son temps ? Déjà, les premiers éléments, c'est pas sa profession. Pendant les 4 ans où il était avec vous deux. C'est-à-dire qu'il avait une profession qui l'aidait toujours bien à être absent assez régulièrement. Donc, c'est toujours des professions, il était commercial. En fait, il aménageait toujours sa vie autour de sa profession. Donc c'était en fait extrêmement simple. Donc je sais pas si moi, il était à la maison du lundi au jeudi, je suppose qu'il était avec toi. Du jeudi au dimanche. Voilà, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il vous disait ? Il s'arrangeait toujours pour téléphoner, toujours. Oui. Hein, téléphoner au moins 3 ou 4 fois par jour. Donc quelqu'un de très présent. Même s'il n'était pas à la maison, c'était quelqu'un d'extrêmement présent.
On les appelle. Non, mais s'il était si organisé, si présent, des, etc. Des absences avec des mensonges qui semblaient tellement énormes que je les croyais. Parce qu'il me disait, mais je ne pourrais pas inventer ça. C'est impossible. Il était toujours bloqué dans des trains lorsqu'il y avait des grèves, empêché de rentrer à la maison parce qu'il y avait des inondations, et tout ce qui pouvait être phénomène climatique, social, qui pouvait l'empêcher de revenir à la maison, il les utilisait. Moi, j'ai eu une garde à vue, par exemple, qui a duré une semaine à une fête de Noël qu'il passait avec Sabine. Moi, je l'ai attendu. Il vous a dit que pendant les fêtes de Noël, il était en garde à vue. Moi, je l'ai attendu une semaine, et au bout d'une semaine, il est arrivé en disant qu'il était désespéré, il n'avait pas pu nous appeler, mais que le système judiciaire faisait qu'il avait été bloqué une semaine en garde à vue. Et pour quelle raison, La loi a changé. Par exemple, la loi a changé, oui, c'est ça. Les lois changeaient assez facilement. Ouais, et comment justifie-t-il le fait qu'il s'était retrouvé en garde à vue? Il avait eu une relation qui avait été interpellée pour un cambriolage, et comme il le connaissait, qui avait eu une filature. Il avait toujours des choses tellement... Ah, mais c'est toujours trop rocambolesque, très imagé. Et il expliquait qu'il ne pouvait pas inventer ça, que si vraiment il le disait, c'est que ça lui était arrivé, c'était quelque chose de vécu. Mais vous en doutiez quand même? Oui. Il y a eu les dernières années, justement, lorsqu'il était avec Sabine, il y avait trop de doutes. Il y avait des choses qui... Lorsque vous l'avez rencontré, vous saviez qu'il était avec une autre femme? Oui, je savais qu'il était avec elle, puisque je l'avais rencontré. Et très rapidement, il s'en plaignait en permanence. Vous avez rencontré Anne-Laure? Oui. Nous, on s'était rencontrés. Il me l'avait présenté comme l'amie d'une amie. Mais à quelle occasion? Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, oui. Sa directrice... Mais pourquoi vous a-t-il présenté l'une à l'autre? Ah, mais ça a toujours été son système. De toute façon, on a toujours connu ses maîtresses, on les a toujours connues. Ou c'était les voisines, ou c'était des gens qu'on connaissait. Mais c'est quoi, c'est un tombeur de folie? Oui, c'est ce qu'on appelle un peu péjorativement, c'est un bon coup, enfin, à mes yeux. Oui. Donc... C'est pas très péjoratif, je veux dire un bon coup. Hein, quand même. Vous êtes d'accord, Sabine? J'ai pas la même appréciation qu'en Elor. Non, mais à quoi ça sert de présenter l'une à l'autre? Je veux dire, est-ce que là, ça tient de la perversité, ou est-ce que c'était aussi plus facile de mentir après? Puisque la suivante, la numéro 4, je suis désolée, on donne des chiffres, mais parce qu'au début, on a eu tellement de mal à s'y retrouver. Ouais. Quand moi, j'ai appris ça, j'ai eu tellement de mal à me repérer qu'on s'est numéroté, quoi, parce que c'était beaucoup plus simple. Hein. C'est vrai, ça paraît, des chiffres, ça paraît, c'est pas terrible, quoi. Mais parce que moi, ensuite, j'ai découvert... la personne avec qui il est actuellement, donc... La numéro 4, donc oui, dans quelle circonstance alors, Mathilde. En partant, je suis partie en vacances avec notre fils, puisque moi j'ai un fils avec lui, et il avait donc son lieu de travail, qui était un entrepôt, donc je m'y suis rendue. En fait, c'était pas du tout un entrepôt, c'était un magasin, et il y avait évidemment un nom sur une boutique, il y avait un nom, monsieur, madame. Et donc c'est par téléphone qu'il m'a appris que non seulement il était avec cette personne depuis... 3 ans à peu près, et qu'en plus il était marié. Avec Avec numéro 4, avec Mathilde. Il s'était marié entre-temps avec une autre? Tout à fait. Tout en vivant avec vous? Absolument, absolument. Voilà. Par contre, moi, il m'avait dit qu'il s'était séparé, et qu'il m'avait présenté sa femme, donc la Mathilde, la numéro 4, et je pensais sincèrement que sa relation avec Sabine était terminée. Oui, parce que vous avez un enfant avec lui, ce qui fait que vous continuez à la vous voir. La numéro 1 en a 2. La numéro 2 en a 1, la numéro 3 en a 1, et la numéro 4? Je ne sais pas. On ne sait pas. Non, je ne pense pas. Ça, vous ne savez plus maintenant, vous n'osez plus dire, quoi. Non, moi, j'ai définitivement rompu le contact. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun échange, que ce soit courrier, téléphone, aucun droit de visite sur notre enfant, enfin, etc., etc. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur Anne-Laure au moment où il vous l'a présenté, etc.? Il vous a dit qu'il était avec Anne-Laure? Oui, mais c'est quelqu'un qui se plaignait en permanence d'elle, et que plusieurs mois plus tard, il est venu vivre avec moi en me disant qu'elle s'était terminée, qu'il ne voulait plus entendre parler, donc c'était vraiment la grande méchante. Hein. Donc évidemment, je l'ai sauvée de la grande méchante. On l'a toujours toutes sauvées, de toute façon. Hein. Les unes après les autres, on a toujours été des sorcières, des psychopathes, des folles. C'est-à-dire que vous avez été sur son lieu de travail, vous êtes aperçu que ce n'était pas le lieu de travail qui correspondait à ce qu'il vous avait dit. Vous l'avez appelé au téléphone à ce moment-là et vous avez dit toute la vérité au téléphone d'un coup d'un seul. Exactement. Pourquoi? Parce que là, il ne pouvait plus reculer. Il a eu peur, évidemment, que j'aille faire un scandale. Il a dû être terroriste. Il a dû se dire, elle va péter un câble, elle va tout casser. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il a dit. Mais moi, j'étais dans un tel état de nerfs. Il a tout dit au téléphone, qu'il était marié depuis 3 ans. Exactement. Et dans le même week-end, donc j'ai appris ça un vendredi, et donc le soir même, une intuition féminine, on va dire, j'ai appelé Anne-Laure en me disant que c'était quand même une de ses compagnes et qu'elle avait probablement des informations à me donner. Et c'est donc là que j'ai appris
Moi, ma première réaction, ça a été de dire « il a recommencé ». Ouais, ça a été tes premiers mots, ouais. Lorsque je l'ai appris, c'est vrai que j'ai été un peu désolée pour Sabine, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre. Ayant moi-même, quelques années auparavant, appris par téléphone, donc non seulement il avait une compagne, mais qu'il avait un enfant avec. Mais comment vous l'avez appris, vous, dans quelles circonstances? Alors, n'étant pas toujours dupe de ce que j'entendais, je me suis mise, les derniers temps, à farfouiller ses poches, ses attachés-caisses. Et notamment une fois, une petite anecdote, je descendais promener le chien et je branchais derrière la porte de l'entrée où il y avait le téléphone, un magnétophone. Et une fois, en remontant, une fois qu'il se soit absenté, j'ai écouté la cassette et je l'ai entendu dire « Mais oui, je t'aime et j'arrive bientôt ». Donc c'est là que j'ai compris que... Il vous parlait à vous ? Voilà, il parlait à Sabine, oui, très agréable. Ouais. Et là, vous l'avez mis c'est le droit du téléphone. Là... Hein. Ah oui, c'est le droit du téléphone. Et là, vous l'avez mis devant le fait accompli, vous l'avez fait écouter cette bande ? Non. Il va l'apprendre ce soir s'il regarde l'émission. Ce que je souhaite à Mathilde, d'apprendre la vérité. Mais pourquoi vous lui avez pas dit ? Si, je lui ai dit. Vous lui avez pas mis la cassette sous le nez en lui disant ? C'est un détail. Mais j'ai pas eu besoin. Parce vous avez besoin de faire une idée, vous. J'ai pas eu besoin. Lorsqu'il est venu les fois suivantes, je préférais persévérer dans mon action et être sûre de moi plutôt que d'avoir fois de plus, parce que pendant 10 ans, j' ai eu des arguments. Et après cette révélation. Systématiquement. Pour finir, j'ai découvert un numéro de téléphone dans sa poche et j'ai appelé un soir. Je suis tombée donc sur lui directement. Et c'est là qu'il m'a avoué qu'effectivement, il avait une vie parallèle avec un bébé, mais qu'il ne fallait surtout pas que je m'inquiète, puisque j'étais l'amour de sa vie, l'unique, et que donc ce n'était... Qu'il allait revenir. Voilà, qu'il allait revenir, il est revenu, et qu'elle avait été très, très méchante avec lui. Mais quand vous mettez lui, devant le fait accompli, face à ses mensonges, par exemple, comment réagit-il? Bon, il a totalement nié. Quand je l'ai mis devant le fait accompli, donc déjà, je savais pour Mathilde. Et quand moi je lui ai dit plusieurs mois après, je lui ai dit écoute, on va tout mettre à plat, on va en parler tranquillement, on va tous se rencontrer. Bon, ça n'a pas été possible évidemment. Bon, on a bien essayé un commando, mais ce qui a lamentablement échoué, on a fait une tentative. Nathalie est venue à la maison et on a mis un petit stratagème sur pied. Nous sommes passés chercher Sabine chez elle et nous sommes allés chez lui. Toutes les trois ? Toutes les trois. En pleine nuit. Voilà, en pleine nuit. Mieux. Enfin, ouais. En début de nuit. Oui, moi, je l'ai fait sortir. Elles ont commencé à lui dire, bon, mardi, voilà, c'était pas dans ton lit. Il avait très, très peur que sa femme, donc Mathilde, apprenne la vérité. Donc, il l'a entraînée un peu plus loin. Et Nathalie et moi-même sommes restés, sonner à la porte, discuter sous les fenêtres pour dire la vérité à Mathilde. Donc, elle l'a entendue, la vérité? Elle l'a entendue, bien sûr. Est-ce qu'elle l'a acceptée pour autant? Absolument pas. Elle apparemment, pas à votre connaissance, à ma connaissance, je dois penser qu'on est toujours folle. Oui. On est des femmes dépitées, nous continuons à on est toujours amoureuses de lui, après, c'est terrible. On voulait briser son couple. Enfin bon. Vous avez pu reconstruire des vies de couple après? Moi non. Moi si. Moi si, je me suis mariée. Ouais. Effectivement, j'ai eu un peu de mal à faire confiance au départ. J'ai fait des petites vérifications. Il m'arrivait de suivre mon mari après le travail. Je l'attendais à la sortie du travail pour être sûre qu'il n'y avait pas de. Pas de vous vouliez savoir, ce que dit Julie, c'est que son compagnon ne veut pas savoir. Oui. C'est QFD. Vous avez donc chacune un enfant de lui, et vous, Sabine, votre fils, vous encore... Oui. Quand il le désire. Ouais, ouais. Donc vous le voyez, vous aussi, lui? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On ne peut pas aborder le sujet, jamais. J'ai essayé, mais ce n'est pas possible, c'est le déni le plus total. Est-ce que, sans pardonner, oublier, ou comme on le dit tout à l'heure, est-ce que vous avez essayé de comprendre la psychologie du personnage? Pourquoi il... Oui. À votre avis, pourquoi il mentait? On peut tout à fait le comprendre. Moi, j'ai compris. C'est parce qu'il avait envie de. J'ai compris beaucoup de choses, mais on n'est pas obligé d'accepter. Ah oui, ça pour nous aimer toutes, il nous aime toutes. Il est sincère. À partir du moment où il est avec une femme, quelle qu'elle soit, il est sincère. À partir du moment qu'il est avec une femme, même s'il n'est pas la même pendant la même journée, voilà. C'est ça? Avec deux femmes différentes. On va demander à M. Bensoussan, qui est psychiatre, de venir nous éclairer un tout petit peu, parce que sinon, on va pas y arriver. Sous les applaudissements du 102, s'il vous plaît. Bonsoir, bienvenue. Merci, asseyez-vous. Oui, Paul, vous êtes psychiatre expert auprès des tribunaux, donc médecin. D'après votre expérience, quelles séquelles ça peut laisser derrière soi? Alors pour les enfants qu'on laisse derrière soi, et pour sa compagne ou son compagnon, selon son sexe? Je dirais que là, il y a les séquelles du dévoilement, c'est-à-dire du dévoilement de l'imposture. Et puis, peut-être, il y a les séquelles plus directes, qui me semblent, moi, plus redoutables, du personnage qu'il a été et du type de relation qu'il a pu instaurer avec ses enfants.
Autrement dit, est-ce qu'il y a un secteur dans la vie de cet homme où il est à peu près authentique? Est-ce qu'il a été capable d'être un père digne de ce nom? Non, jamais. Voilà. Donc, à mon avis, elles sont surtout là. Est-ce qu'il s'occupe de ses enfants? Est-ce qu'il s'en est occupé quand même? Non, c'est pour ça que nous avons interrompu toute visite, que ce soit les week-ends, les mercredis, coup de fil. Et pourquoi vous continuez, Sabine, vous, alors? J'ai énormément de mal à envisager que mon fils n'est plus de papa, tout simplement. Et que j'essaye de préserver ce que je peux préserver. Et donc, en lui laissant une liberté totale de droit de visite et... Là, je dirais, il y a deux points de vue. Il y a le fait de dire c'est son père, il est comme ça, il a ce père, et ce père doit rester en contact avec son fils. Et puis, dans certains cas, il y a réellement, je ne dis pas que ce soit le cas ici, je n'ai aucun élément, mais un risque de maltraitance. De maltraitance, bien sûr, psychique. C'est-à-dire qu'on est dans une mythomanie quand même perverse. Hein, vous le présentez comme une espèce de don Juan qui est en permanence sur la corde raide, mais je crois que c'est avant tout un grand pervers. Et cette perversité peut faire du mal aux enfants, à l'insu même du père qui peut par ailleurs sincèrement les aimer. Et aux compagnons, ou aux compagnes en l'occurrence? Je dirais qu'il y a deux mots-clés à mon avis dans ce que peut ressentir la victime. Pardon de vous appeler victime. Il y a l'humiliation et il y a la colère. Et la colère, elle aussi, entre la colère contre soi, c'est-à-dire vous êtes comment qualifié de douillasse? Nouillasse, comme. Hein? La colère contre soi et évidemment la colère contre l'autre. C'est-à-dire comment j'ai pu être assez naïf, comment j'ai pu être assez aveugle. Et le film repasse dans la tête et ça fait beaucoup de mal. C'est quelque chose qui ronge de l'intérieur. On revoit les détails qu'on n'a pas su voir. On a été aveugle, on s'est aveuglé, on a été aveugle. Il faut bien dire qu'il a un talent exceptionnel. Vous êtes tombé quand même sur quelqu'un, il faut lui rendre ici un hommage s'il nous écoute. C'est une pointure quand même. Oui, c'est une pointure. S'il y a bien un point sur lequel je ne pourrais pas nier, c'est que c'est un homme extrêmement intelligent. Pervers, certes, mais extrêmement intelligent. Et ce qui a pu aider Sabine, c'est que je lui donnais les clés, les textes. Avant que lui ne les prononce, je lui disais, il va te dire ça, il va te dire ça. Parce que lorsque moi j'ai appris qu'il avait donc un enfant avec elle, il me disait, mais ça a été une erreur, mais c'est toi que j'aime, tu es la seule femme de ma vie, sinon je ne t'aurais pas quittée. Et donc sinon, vous savez qu'il vous a dit ce que Anne-Laure vous avait dit qu'il allait dire. Il m'a dit exactement les mêmes choses. Ça doit faire un choc aussi. Il m'aurait quittée s'il ne m'avait plus aimée. Huit jours après, en décalé, j'ai eu le même son avec « Mais non, je n'aime pas Mathilde, ce mariage est une lamentable erreur, ma chérie, ne t'inquiète pas, je reviens à la maison. » Voilà. Ce qui est arrivé à cet homme-là, c'est le pire qui pouvait lui arriver, c'est-à-dire des victimes qui se mettent en contact. Il a dû, vous l'avez peut-être remarqué pendant les années de vie commune, déployer des efforts considérables pour avoir une étanchéité auprès des amis, des parents. Enfin, vous n'aviez les numéros de téléphone de personne, etc. Quitte à être assez pervers et assez intelligent pour organiser une soirée commune, pourquoi pas. Mais sans que vous soyez en mesure de retrouver la trace de ceux qui vous présentaient. Pardon pour la brutalité de la question, mais est-ce que ces victimes, comme on le dit entre guillemets, évidemment, sont aussi responsables? Je veux dire, par là, est-ce qu'un menteur choisit ses cibles? Ah oui, nous choisit. Je crois effectivement que si vous voulez sortir d'une trajectoire de victime, c'est sur votre complicité qu'il faut vous interroger. Et si vous étiez l'une ou l'autre en thérapie, je pense qu'à part vous offrir un soutien compatissant à titre de victime, il serait plus intéressant pour vous d'analyser votre complicité. Consciente, inconsciente, passive ou non. Mais enfin, comment est-ce que j'ai réussi à m'aveugler pendant autant d'années? Et il y a une phase de dangerosité, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais au moment où la supercherie comme ça est dévoilée de façon accablante par la coalition, tout peut arriver. Oui, je crois. Oui. Il s'est montré. Ce qui a dû faire un enchaînement naturel avec M. Roman, puisque là, tout est arrivé quand les choses ont été sues, effectivement. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, c'est toute une vie qui s'écroule, quoi. Même une vie fictive. Ça reste une vie qui s'écroule pour celui... C'est un anéantissement, c'est-à-dire que le mythomane se construit comme ça... Là, il s'agit d'un mythomane pour vous, d'après le profil? D'un mythomane pervers, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'un mythomane? Il est incontestablement mythomane, c'est pas un menteur, c'est un mythomane. Je m'explique en deux mots, si vous le voulez, à ce stade. C'est-à-dire qu'il construit une réalité fictive et il la vit. C'est-à-dire, à mon sens, on n'utilise pas en France le détecteur de mensonges, mais ce monsieur passerait sans aucun problème... L'épreuve du détecteur de mensonges. Tout à fait. Vous avez vu que même pris, mais la culotte à la main, il pourrait encore vous convaincre qu'il ne s'est rien passé. C'est tout à fait ça. Hein? Tout à fait ça. C'est ça, puisque lorsque... L'enregistrement du magnétophone à la main, il va contester. Je pense que madame, qu'il ne servirait de rien de lui faire écouter le petit bout de cassette non, que vous aviez. C'était inutile. Vous saviez que vous auriez immédiatement une répartie, et en plus qu'elle serait convaincante. Parfait.
Oui. Moi, j'ai réussi à le retrouver, parce que pendant quelques mois, il a essayé encore de me convaincre d'une vie commune, et je l'ai retrouvé avec avec sa femme sur son lieu de travail, alors qu'il était soi-disant, j'arrive pour le petit déjeuner, etc. Bon, enfin bref. Et donc, une heure après, il est arrivé, le blouson sur l'épaule, ma chérie, comment vas-tu? Très décontracté. Et il ne m'avait pas vu, je ne m'étais pas montré évidemment. Et quand je lui ai dit, mais bon, écoute, arrête ton cinéma. Il y a 2 heures, je t'ai vu. Ah, mais absolument pas, t'as dû faire une erreur. Il y a de quoi vous rendre fou. Ça rend fou, ça rend dingue, ça. Oui, mais là, ça m'a rendu dingue. Là, j'ai une écho lumine. Vous n'êtes pas toujours souriante et nouillasse, quand même. Non, non, non. Non. Parfois, c'est la seule fois où j'ai perdu mon calme. Ouais. Vous me permettez une dernière question. Quand on vous écoute comme ça, alors je ne sais pas si c'est votre complicité ou le fait ici que nous soyons réunis pour en parler, que le temps a passé, mais on a l'impression que vous n'êtes pas très abîmée. Moi, je crois qu'on sort quand même en morceaux, en miettes d'une relation comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, je ne me sens pas très abîmée. Je me sens plutôt restaurée, restructurée. Ça a été tellement dur pendant les premières semaines. J'ai du mal à exprimer cette espèce de souffrance comme ça. Je ne savais plus moi, qui j'étais, comment je m'appelais, qui étaient mes amis. Je n'avais plus aucun repère. J'ai perdu pied pendant quelques jours, une quinzaine de jours, 3 semaines. Ensuite, je me suis rapprochée d'Anne-Laure. Et moi, j'ai eu l'impression que ça m'a... Enfin, c'est difficile de dire ça, mais ça m'a apporté finalement... Pour ce qui est de se reconstruire, effectivement, moi, lorsque j'ai appris par téléphone... tard dans la soirée qu'il avait un enfant avec une autre femme, j'ai été totalement brisée et j'ai suivi une thérapie pendant quelques années. Bon, mon histoire date d'il y a 10 ans, c'est pour ça aussi que maintenant, je peux en parler avec sérénité. Si j'étais venue sur ce plateau il y a 5 ans, 6 ans, je n'aurais peut-être pas été aussi reconstruite, aussi forte. Et vous, Sabine, ça remonte à quand la révélation, 3 ans et demi? 3 ans et demi. Vous continuerez à nous éclairer dans un court instant, on va regarder une histoire... qui serait comparable si le dénouement n'était pas aussi différent, puisque le dénouement là est catastrophique. Et ce que vous avez dit en disant que cet homme aurait pu s'écrouler, peut-être faire s'écrouler autour de lui tout ce qu'il avait créé ou détruit, selon les termes qu'on veut employer, c'est en fait ce qui est arrivé donc à cet homme, Jean-Claude Roman, qui a réussi à faire croire pendant près de 18 ans à ses proches, à sa famille, à de faux collègues de travail, qu'il avait une certaine vie, une certaine situation, qu'il était là et pas ailleurs, et pendant 18 ans. Alors, on ne sait pas comment exactement ça a démarré. Je pense que vous avez, et l'une et l'un, une opinion sur la question. Il s'agit donc de l'histoire de Jean-Claude Roman. Ça ne s'invente pas, il s'appelle Roman, intitulé « Roman d'un menteur » en ce qui concerne ce documentaire. Le 2 juillet 1996, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Regardez, vous allez comprendre. Ben, nous savions qu'il était médecin, chercheur à l'OMS et qui s'occupait d'un labo, qui travaillait dans un labo, mais apparemment il était quand même plus ou moins responsable de certaines expériences dans un labo de l'OMS. Quand vous avez un ami et qu'il vous dit qu'il fait cela, la première chose que vous faites, c'est pas forcément d'aller vérifier. Par ailleurs, si je prends mon cas particulier et la relation que je pouvais avoir avec Jean-Claude, il est médecin, je ne le suis pas. Donc, professionnellement, j'avais certainement un peu de difficulté à soutenir une discussion avec lui. Donc, les discussions que vous pouvez avoir étaient sur des tas d'autres sujets que sur la médecine. Et encore une fois, quand vous avez des amis, vous ne mettez pas forcément en doute ce qu'ils vous disent faire... en premier abord. Il a pu monter les étages, aller à la bibliothèque, aller prendre son repas à l'OMS, même bénéficier aussi de la cafétéria, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Il pouvait être ici comme chez lui. Il était facile aussi de montrer, en passant par les étages, un bureau quelconque libre en disant « ceci est mon bureau » pour justifier son travail ou son appartenance, soi-disant, à l'OMS. Un personnage d'une apparence normale se promenant dans les couloirs, personne ne va nous avertir comme quoi, que fait cette personne à l'OMS. Il y a un élément qui, pour moi, après coup, s'explique. C'était quelqu'un qui suait énormément,
qui transpirait énormément. Ma sœur le relevait. D'ailleurs, une chemise, pour elle, il en changeait deux fois par jour. Et je pense que son mensonge et son personnage étaient tellement difficiles psychologiquement à faire vivre et à assumer qu'il était en permanence sur le pied de guerre, c'est-à-dire sur à détecter la moindre faille, à prévoir en permanence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui devait vivre avec une avance de deux jours sur son réel, à une semaine ou à un mois, en permanence, en permanence. Et quand vous vivez comme ça, vous ne vivez pas. C'est-à-dire que vous avez tout votre organisme qui en est perturbé. Voilà. Documentaire donc de Catherine Herrel et de Gilles Cayatte. Est-ce qu'il rentre dans la définition qu'on peut donner du mythomane, d'après ce que... Il y a eu un débat d'experts au procès. Ouais. Je ne sais pas si on peut rentrer dans cette... dans ce débat-là. En tout cas, il ne se prend pas pour Jésus-Christ ou pour Napoléon. Il se prend pour Jean-Claude Roman. Et il ment pour vivre la vie de Jean-Claude Roman, la vie qu'il aurait dû la avoir. La vie rebelle. La vie qu'il aurait pu avoir. Ouais. Il m'a à peine rêvé. On peut essayer d'expliquer rapidement ce qu'est un mythomane par rapport à un menteur. Un mythomane croit à ses mensonges? Alors, le mythomane, oui. Enfin, bon, bien sûr, en faisant un effort, il peut se souvenir du fait qu'il a inventé la réalité, mais il la vit quotidiennement. Et il peut même la vivre d'une façon assez banalisée. Alors, vous avez raison de dire la vie qu'il aurait pu vivre, parce qu'il faut remonter un peu le temps et se souvenir que Jean-Claude Roman a réussi le concours de la fin de première année des études de médecine et a cessé ses études à la fin de la deuxième année en n'allant pas passer les épreuves. Il n'a pas osé, si ma mémoire est bonne, puisque je tire ces informations de l'excellent bouquin d'Emmanuel Carrère sur Jean-Claude Roman, et il n'a pas osé rentrer chez lui et dire à ses parents qu'il ne s'était pas présenté aux épreuves. Il a dit « tout s'est bien passé ». À mon avis, tout commence là. Enfin, pour ce qui est du factuel, bien sûr, je ne parle pas de la psychologie. Donc ça commence par un mensonge et après, devenir mythomane, ça veut dire commencer à véritablement croire ce qu'on a dit ou en tout cas habiter ce qu'on... habiter la vie qu'on s'est construite. Absolument, il a réellement construit un univers fictif qu'il a habité. Alors, quel personnage exactement a-t-il créé? Alors, vous essayez de le classer. J'essaie de comprendre ce qu'est un menteur dans une catégorie. Vous essayez de me déstabiliser, ce qui est une tactique des assises. Non, pas du tout. Vous essayez de le classer en... De le comprendre, monsieur, plutôt. De le comprendre, mais moi, je crois qu'il est difficile... Non, mais classer, je suis en train de dire c'est un mec bien ou une ordure. Je veux dire juste essayer de comprendre comment on ment, par quel processus... Oui, mais on invente des histoires pareilles, quand même. Lorsque l'on dit que c'est un mythomane, je crois qu'il faut être prudent. Parce que Jean-Claude Roman reste un véritable mystère. En la circonstance... On ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. Il y a un véritable mystère, et M. Bensoussan a bien posé le problème à son début. Il y a un premier mensonge qui intervient à l'âge de 21 ans, qui est un mensonge qui ne procède pas d'un quelconque calcul. Et qui n'est pas le premier, vous dites? On vient de dire un premier mensonge. Alors. Non, le premier mensonge véritable, c'est ce mensonge lors de sa deuxième année de médecine qu'il doit passer, qu'il peut réussir haut la main. Il lui manque quelques points pour accéder à la troisième année. Et pour une raison qui reste encore indéterminée, il ne se présente pas l'examen. Il a le potentiel pour réussir cet examen. Il a fait un parcours extrêmement brillant depuis qu'il est scolarisé, depuis qu'il est étudiant. Et pour une raison que personne ne peut connaître encore aujourd'hui, il décide de ne pas se présenter. C'est son premier mensonge. Et sa vie va basculer à partir de cet instant. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'intérêt financier, il n'y a pas d'intérêt familial, il n'y a pas de personnage à construire. Il décide de ne pas se présenter. Et lui-même, aujourd'hui, cherche encore la raison pour laquelle il ne s'est pas rendu à cet examen qu'il pouvait encore réussir. Donc, en jugeant de loin, sans être présent au tribunal, etc., et malheureusement, en essayant en toute humilité, on peut se dire qu'il n'a pas voulu prendre le risque de, quoi. Voilà, mais c'est un peu simple. Je crois qu'il faut replacer... L'échec, et ça, c'est très intéressant, parce que dans les mensonges qu'on retrouve antérieurement, ce mensonge est le mensonge qui fait basculer sa vie, c'est vrai. C'est la fin de la deuxième année de médecine. Mais dans les mensonges qu'on retrouve antérieurement, c'est aussi des mensonges liés à une difficulté. Un échec, on ne peut pas le dépasser, donc c'est un gamin brillant qui a été brillant très longtemps, il arrive comme un très bon élève dans un grand lycée de Lyon, dans une classe prépa, il trébuche, des primes adolescentes ou difficultés d'une prépa, il trébuche, il s'invente un cancer, il s'invente cette première maladie qui fait qu'il rentre chez maman, parce qu'en plus c'était la première fois qu'il quittait le domicile familial, il rentre chez maman parce qu'il est très 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 malade. Ça vient après. Non, c'est avant. Non, non, non.
Bon, en tout cas, ça, ça a été jugé et cet homme est en prison pour refaire son procès. Faire procès avec toi. Moi, ce que je voudrais dire, avant une chose, maître, juste essayer de comprendre quel personnage il s'est créé, parce que pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de près et qui ne la connaissent pas, on ne peut pas savoir exactement, avec les deux, trois mots d'explication que j'ai donné, quel personnage il a créé pendant toute sa vie. Donc, il s'est inventé un métier. Comment il fonctionnait-il dans sa vie, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches? Il faut savoir qu'il va rester pendant 12 années inscrit en seconde année de médecine. Absolument. Ça dure 12 années. Mais pour inscrit, il le disait ou il l'était? Non, il était réellement inscrit, administrativement inscrit en deuxième année de médecine. Ça a duré 12 ans. Et jamais l'administration ne s'est posé la question de savoir pourquoi cet étudiant était inscrit depuis 12 années en seconde année de médecine et pourquoi il ne venait pas aux examens. Donc, personne ne s'est posé la question. D'années qu'il était censé faire, il a fini par dire qu'il était médecin. Au bout d'un moment. Ah oui, nécessairement. Ensuite, qu'il était interne en médecine. Puis, en fait, qu'il voulait faire de la recherche parce qu'il ne voulait pas exercer. Il a toujours été très prudent sur les fausses déclarations. Mais il disait ça à tout le monde, à ses parents, à sa femme, une fois qu'il en a eu une, à ses enfants, à ses amis. Il a révisé l'internat avec sa femme. Non, mais il n'a jamais été prudent dans ses mensonges. Plus les années ont passé, plus les mensonges ont grossi. Et moi, j'ai la conviction que d'une façon consciente ou inconsciente, il sera intéressant d'avoir l'avis de M. Bensoussan. Mais moi, j'ai l'avis, j'ai la conviction que d'une façon consciente ou inconsciente, Jean-Claude Roman voulait être démasqué. Voulait être démasqué et a tout fait pour être démasqué. Alors, on peut parler... Mais il l'a été finalement, en fait, mais trop tard. Ah non, il ne l'a pas été. Jamais. Il ne l'a pas été. Il l'allait l'être. Il l'allait l'être. Il pensait... La seule personne qui pouvait le démasquer, c'est une personne qui l'a épargné. Les gens qu'il a tués... C'était sa maîtresse, c'est ça? C'est ça. Ouais. Mais les gens qu'il a tués, c'est-à-dire sa femme qu'il chérissait, ses enfants qu'il adorait, ses parents qui étaient tout pour lui, on peut le dire parce que c'est une réalité de sa vie. Le chien également, le chien de la famille, il les a tués alors qu'il ne savait rien. Et la seule qui pouvait savoir, qui pouvait le démasquer... Il l'a laissé en vie et l'a déposé dans le 17e arrondissement de Paris. Il a essayé de la tuer. Mais c'est lui qui l'a épargné. Il y a eu une tentative de meurtre, il n'a pas été jusqu'au bout. C'est lorsqu'elle a fait appel à son humanité, lorsqu'elle lui a parlé de ses enfants, et notamment de l'un de ses enfants qui était handicapé, qu'il lui a laissé la vie sauve. Faut pas dire que c'est par un événement extérieur qu'elle est restée en vie, c'est par la seule volonté de Roman. Et c'est la seule qui pouvait le démasquer. Jean-Claude Roman, c'est pas le Jean-Claude Roman meurtrier, c'est pas celui-là qui est mystérieux. Le Jean-Claude Roman mystérieux, c'est le Jean-Claude Roman menteur. C'est comment ça tient, comment il a résisté à ce malaise dans lequel il est. Mais il a résisté lui-même pendant 18 ans et il est très mal. Et quand on a fait cette liste, d'un point de vue pratique, par exemple, comment il disait qu'il était médecin à l'OMS. Donc il allait à l'OMS, il rentrait à la cantine, il faisait croire à ceux qui étaient là, qui travaillaient avec eux. Personne ne s'est posé la question de savoir s'il l'était réellement. Mais pendant toute cette phase où il était médecin à l'OMS et puis il prenait du galon au fur et à mesure, etc., c'était une phase où il faisait ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il y allait à l'OMS, mais pour autant, il n'était pas payé comme médecin, etc. Pendant des années, déclaration fiscale conjointe, puisqu'il était marié. Revenu Jean-Claude Roman, zéro. Statut d'étudiant. Revenu de Madame Roman, quelques dizaines de milliers de francs, puisque... Elle travaillait en qualité de pharmacien et faisait des remplacements dans différentes offices. Ah oui, en plus, elle était pharmacienne, donc il faut quand même avoir du culot pour se faire passer pour un médecin. Écoutez, je crois qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Oui, non, vous ne mettez pas en colère, parce que je ne me mets pas en colère, mais il a été jugé, il a été condamné, il a reconnu. Non, mais c'est un drame épouvantable. Voilà, absolument. J'en ai été, bouleversé pendant des années. Ouais. Et je ne peux pas laisser dire des choses qui sont inexactes. C'est un gosse qui est fils unique. Il est surinvesti par ses parents. Il est idéalisé. C'est une véritable idole. Et puis, pendant des années, il accepte ce statut. Oui, il réussit en plus. Et puis, un jour, alors qu'il est en deuxième année de médecine, eh bien, il a une personnalité qui se désintègre véritablement. C'est une véritable implosion psychologique. Et pour une raison que personne ne connaît, je viens de vous le dire, il décide de ne pas se présenter à l'examen. Et c'est là où sa vie bascule. D'accord. Et à partir de là, il se retrouve enfermé dans une spirale, avec une famille qu'il crée, avec une relation fusionnelle entretenue avec cette famille. Et je le pense, moi j'en ai la conviction. Il n'est pas le seul au monde, quoi. Ça n'explique pas complètement. On peut comprendre qu'il était étonné, qu'on ait cru à ses mensonges, qu'il soit enfermé là-dedans, que peut-être il ait voulu se faire prendre
ou pas, personne ne peut vraiment le savoir, quoi. Mais en tout cas, il a tué plein de gens, oui. Et les gens les plus proches. Et si on devait tuer à chaque fois qu'on aime... Il a tué plein de gens, ouais. Comme vous le dites. Beaucoup, ouais, enfin, tout en essayant, c'est plus proche, en essayant de se suicider. Oui, c'est vrai. Et s'il était mort, aujourd'hui, on dirait que c'est un suicide familial. On dirait que c'est un drame épouvantable, et on inclurait Jean-Claude Roman dans ce drame. Le seul malheur, allais-je dire, c'est que... Il s'est loupé ? Oui. Eh oui. Oui. Il n'y aurait pas eu de procès. Suicide familial ou pas. On aurait dit c'est un suicide familial pour leur éviter le déshonneur, pour leur éviter la honte. Qu'il y a des gens qui ne voulaient pas perdre la vie, qui l'ont perdu en route quand même. J'entends bien, mais il y avait cette relation fusionnelle dans laquelle ils vivaient, et s'il les a tués, c'est pour leur éviter justement ce sentiment de honte, ce déshonneur, pour leur éviter... Comment dire puis d'avoir à faire face à la vérité, quoi. Je veux dire, on peut se mettre du point de vue. Les victimes n'ont rien demandé, hein. Ni les enfants, ni Florence, etc. Personne n'a rien demandé. Vous êtes mal avec une arme à la main, quand même. Oui. Non, mais... Il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup frappée dans le... C'est que... Je vais vous le... Oui, Catherine. Mais c'est que, visiblement, le Christian de Anne-Laure et Sabine... il a été cru, aussi bien par Anne-Laure, qui était méfiante, qui mettait des magnétophones derrière les portières. Ça, c'était au dernier moment. Oui, elle a été plus méfiante que Sabine, vous avez raison. Oui. Que c'est vrai, par Sabine, qui était confiante et crédule et nouillasse. Donc. Mais tout le monde l'a cru. Et tout le monde l'a cru pendant de très longues années, hein, pendant 10-12 ans. Quoi. Donc, Moi, c'est ça qui m'intéresse et qui m'a intéressée dans l'histoire de Jean-Claude Roman, c'est comment tout le monde, sans exception, sans aucune exception, tout le monde l'avait cru. Lorsque je vous disais que les mensonges allaient grossissant au fil du temps, il s'invente un deuxième cancer. Il est marié, il a deux enfants, il a ce statut social qui est mensonger. Il s'invente un deuxième cancer, une forme gravissime de cancer. Il prétend auprès de son épouse, qui est pharmacien, il est entouré de médecins, ses meilleurs amis sont médecins. Ils sont cardiologues, gastro-entérologues, généralistes. Bref, il prétend être traité par l'un des cancérologues les plus médiatiques de France. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de son entourage, je ne vais pas dire qui, mais de son entourage le plus proche, sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan professionnel, avec des guillemets, parce que les amis étaient réellement des médecins. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de cet entourage a eu la curiosité de téléphoner un jour à ce... On va pas vérifier des choses aussi graves quand même, non ? Écoutez, sur le plan familial... Non, pas du tout. Personne... Non, mais ça, c'est une inexactitude, Madame Hérel. Personne, à son insu, n'a voulu prendre de ses nouvelles. Un ami vous dit quelque chose, qu'il est très malade, qu'il est soigné par un médecin, vous n'allez pas vérifier pour autant. Et une épouse. Elle irait vérifier. Et une épouse aimante. Elle irait vérifier qu'il dit pas qu'il Eh bien, moi, savez-vous la conclusion que je tire ? C'est que cet homme a vécu dans une indifférence absolue, dans une solitude totale. Et personne ne s'est intéressé à lui pendant 20 ans. Okay, mais alors, c'est presque indicible, mais je crois qu'il faut le dire parce que ça correspond à la réalité de cette affaire. Monsieur Delarue, si je peux me permettre. C'est une lecture, en tout cas, de la chose faite par son défenseur. Et visiblement, qui prend les choses très, très à cœur. Un très bon défenseur, je dirais. Mais lorsqu'on vit avec une personne telle que M. Roman, même si je n'ai pas vécu avec, j'avais une personne similaire à mes côtés. Effectivement, le côté de la maladie, je l'ai eu également. Je n'en ai pas particulièrement cité des exemples. Je n'ai pas vérifié auprès d'un médecin. Mais j'ai eu une période où Christian était malade. Je l'aidais à aller mieux. Vous avez appelé son médecin ? Non, je n'ai pas appelé son médecin. Et il faudrait peut-être se pencher sur le thème de manipulateur. Parce que ce que je pense qu'a fait M. Roman, c'est qu'il a manipulé son entourage au point que personne n'ait envie de vérifier, que les médecins qui le connaissaient. Non, mais attendez, vous répondez pas, maître, vous avez déjà tout dit. Franchement, les crues. Non, ne cédez pas à la provocation. Il y a deux façons de voir le problème. Non, on a compris qu'il y a deux façons de le voir. Non, on a compris qu'il y avait deux façons de voir les choses. Est-ce qu'il voulait se faire choper ou pas ? Est-ce qu'il s'est laissé emporter par ses mensonges ou pas ? Voilà. Est-ce que finalement les médecins ont décidé qu'il devait être soigné, cet homme ? Oui ou non ? Les médecins ont pensé qu'il avait une pathologie extrêmement grave. Donc malade. Mais qu'on n'a pas pu définir. Vous qui êtes expert auprès des tribunaux ? Je ne me servirai pas à définir la pathologie de quelqu'un que je n'ai pas vu. Mais bon, oui, vraisemblablement, il aurait
Il a tout fait pour être démasqué. Oui. Et non, il n'a pas pu tolérer de l'être. Il a tué, oui, par amour, ceux qui auraient pu le deviner. Jusque-là, je vous suis. Bon, en revanche, quand vous parlez d'indifférence, c'est une lecture, c'est pas la seule. Non, voilà, il y a plusieurs lectures, donc c'est pour ça voilà, que j'ai la vérité aussi. Je crois que c'est ce qu'on peut dire, et c'est précisément tout ce qui est extraordinairement déroutant. De même, vous parliez de son suicide. Ça, oui, s'il était mort, on aurait parlé de suicide altruiste. On appelle suicide altruiste le fait de tuer ses proches par amour en se donnant ensuite la mort. Mais il se trouve qu'il s'est suicidé. Altruiste, faut pas dire généreux, alors. Donc. Avec une modalité suicidaire qui, par elle-même, jette une suspicion sur l'authenticité du désir de mort. On l'a retrouvé dans le coma à l'hôpital de Genève. Hein. D'accord. Lorsqu'on est dans le coma, on ne maîtrise pas bien l'issue de ce coma. 5 minutes avant que les éboueurs ne passent. Enfin bon, si vous voulez, c'est précisément le drame. Il a peut-être effectivement voulu mourir, mais le drame du mythomane, je crois, et là, ça l'illustre parfaitement, c'est qu'on ne sait plus, dans les décombres qui restent après le dévoilement, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Voilà. Et on doute. Et le sait-il lui-même, ça, on ne sait pas non plus, véritablement. Je demandais à Liliane Feller de venir nous rejoindre pour nous apporter son expérience. Elle a vécu avec un homme. Bonsoir, madame. Attention à la glissade. Mettez le frein à main, je vous en prie. Liliane, vous avez vu, ça déchaîne les passions, ces histoires-là, comme vous-même, ça vous a fait réagir d'entendre. Bah, oui, parce qu'en fait, mon histoire ressemble bizarrement quand même à ce monsieur Roman. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui se disait effectivement chercheur à l'OMS, médecin interne des hôpitaux, Necker, Salpêtrière et Saint-Vincent-de-Paul. À l'OMS aussi, ils se sont peut-être croisés alors. Pardon, ils se sont peut-être croisés. D'ailleurs, sur une l'avant-dernière photo, j'ai eu l'impression que je l'ai reconnu. Enfin bon, toujours est-il que ce monsieur possédait un grand appartement rue de la Boétie. Il m'a donné un certain nom, alors un Christian, mais je ne dirai pas le nom de famille. Il avait une très jolie BMW que je n'ai jamais d'ailleurs vue. Un mois après, manque de chance, on la lui a volée. 30 jours après, on l'a retrouvée, mais il n'a pas voulu la reprendre parce qu'il estimait que c'était un viol. Donc il ne voulait pas la reprendre en l'état, il voulait récupérer l'argent. Après ça, il m'a avoué que ce n'était pas vraiment son nom, qu'il avait dû prendre le nom de sa maman, parce qu'il avait un cousin du côté de son père, qui en fait était un malfrat, et donc il avait des ennuis avec la police, et en quel cas, il ne m'avait pas donné son bon nom. Donc un jour, 2-3 mois après qu'on se voyait, il me dit « je suis allé place Beauvau reprendre ma vraie identité ». Entre-temps, il m'a fait croire... combien de temps avec cet homme, madame, juste 7 mois. Entre-temps, il m'a fait croire qu'il avait une sœur qui était... Ça va, vous dites. Qui était cancéreuse et que la pauvre avait subi des chimios à Paris et ne les supportait pas. Et donc, il fallait qu'elle aille à Boston. Manque de chance, bien sûr, pour moi, je dirais. C'est qu'un jour, il me dit, je n'ai pas tout à fait la somme, j'ai des amis qui m'ont fait faux bon. Peux-tu m'aider? Moi, bien sûr, devant la détresse, en fait, surtout en pensant à cette femme cancéreuse et qu'on pouvait peut-être sauver, et puis en me disant qu'un médecin avec une telle assise financière, bon, le peu d'argent que j'allais lui prêter, je ne risquais rien, nous sommes allés, main dans la main si je puis dire, sortir de l'argent sur ma caisse d'épargne. Bon, quelques jours après, monsieur est parti à Boston avec sa sœur et une autre sœur pour aider, pour rester un peu plus longtemps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi un autre jour, il m'a raconté... Ah oui, c'est vrai qu'il avait une histoire d'amour, c'était la véritable Bérézina. Il avait été marié... Enfin non, il avait commis une femme prothésiste qu'il avait adorée pendant 15 ans, l'amour sans aucune ombre, rien du tout. Mais c'est vous qui lui demandiez tous ces détails ou c'est lui qui vous les fournissait? C'est lui qui me les donnait. Et en fait, malheureusement, cette pauvre femme est morte un 24 décembre et s'est tuée en voiture au moment où lui allait la rejoindre pour le réveillon de Noël. Bon, sur des histoires très gaies quand même. Sur ce, pendant 6 ans, il est resté tout seul, il en a fait le deuil pendant 6 ans, donc voilà. Et puis un jour, il a rencontré, lors d'un colloque à Los Angeles, parce que monsieur était quand même grand professeur, donc il voyageait beaucoup, il a rencontré une femme interprète. Il s'est marié, sans amour, disait-il. Et puis cette femme s'est avérée une joueuse professionnelle. Donc elle lui a dépensé soi-disant 3 millions de francs. Et puis un jour, il y a un truand qui est arrivé chez lui, à son bel appartement de la rue de la Boétie, lui réclamant une dette de jeu.
du casino d'Anguin de 500 000 francs. Donc, presque le couteau entre les deux omoplates, il a dû aligner les 500 000 francs. Ça, donc, on peut dire que sa vie, il n'a pas de chance entre la femme qui meurt et puis l'autre qui le ruine. Bon, enfin, bon. Et sa sœur qui a le cancer, madame. Et la sœur qui était mourante. Bon. Et puis, finalement, un jour, il me téléphone et il me dit, écoute, est-ce que tu aimerais partir 3 semaines en Chine avec moi au mois de septembre? Et il me dit, c'est le comité d'entreprise de la PHP. Vous étiez amoureuse ou intéressée? Parce que vous parlez que de choses matérielles. Ah non, non, je suis tombée amoureuse parce que, oui, si vous voulez, en fait, je l'ai rencontrée. J'étais à l'époque bénévole auprès d'une association qui s'occupe de l'enfance maltraitée. Et donc, ce monsieur, je l'ai rencontré, je le voyais très souvent à la station Miroménil. Et au bout de 2 mois, il est venu me voir et me dit, nous, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble? Ben, je lui dis oui. Il me dit, dans quelle branche êtes-vous? Je lui dis, ben, écoutez, je m'occupe de l'enfance maltraitée. Alors il me dit, nous sommes dans le même domaine. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il était pédiatre. Donc c'est vrai qu'il y a un climat de confiance qui s'est instauré. D'autre part, bon, c'était pas un super bel homme, mais il était sympathique, un tantinet timide, ça changeait un peu de tous ces hommes qui vous font du blabla pour rien du tout. Il n'avait pas l'air de trop vouloir coucher dès le premier instant. Donc, en fait, je me suis dit, pour une fois, je suis tombée sur un numéro qui me semble convenable. Plus tard, la Chine, donc. Bon, comment? La Chine. Oui, oui. Après la Chine. Oui. Bon. Alors, la Chine, alors là, ça a changé un petit peu. Alors, la Chine, je lui dis, écoute, pour l'instant, je suis au chômage. En tant que bénévole, je ne gagne pas un sou. Il est évident, je ne peux pas me permettre de me payer un voyage organisé qui doit coûter quand même assez cher. Il me dit, bah, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me faire un chèque au nom de 7000 francs et je te paierai le reste. Bon, 7000 francs pour 3 semaines en Chine, pourquoi pas. Et il me rajoute, est-ce que tu pourras me donner le chèque demain matin, dans un café où on se rejoignait le matin, et en même temps, tu me donneras ta carte d'identité. Moi, je lui dis, pourquoi ma carte d'identité? Il me dit, bah, tu comprends bien, ma sœur étant mourante, si elle décédait, j'aurais pas le cœur de partir en Chine. Et comme tu n'as pas le même nom que moi, eh bien, il faut que l'assurance corresponde à nos deux noms. Ce qui me paraissait complètement normal. À savoir que le lendemain, il m'a rendu ma carte d'identité. À noter d'ailleurs qu'en tant que pédiatre, quand même, dans les hôpitaux, il n'avait aucune anecdote intéressante. Il me parlait seulement d'un seul et unique patient. Pendant 7 mois, je n'ai entendu qu'un prénom, Mamadou, à croire qu'il ne suivait qu'un enfant. Bon, donc, je connais... Bon, d'autre part, il avait trouvé le système de refuser systématiquement toute visite chez des amis. Et puis, un jour, j'ai des amis qui se sont paxés et qui nous ont donc invités. Et puis, ce soir-là, il y avait un médecin. Et donc, mon ami me dit, bah, écoute, ce qui est mieux, c'est de mettre Christian à côté du médecin. Alors là, il m'a dit, non, non, il n'en est pas question, on ne va pas parler de médecine toute la soirée, tatata, tatata. Il s'est mis vraiment le plus loin possible du médecin. Enfin bon, toujours est-il que... il commençait à me pomper un peu l'air, mais la reconnaissance de dette qu'il m'avait faite était non seulement un faux nom, ah oui, entre-temps, ouais, parce qu'il a fait très fort. Entre-temps, je lui disais, mais quand même, j'aimerais bien voir ton bel appartement rue de la Boétie. Donc, un jour, vers le mois de janvier, ça, il me dit, j'ai mis en vente mon appartement, parce que tu comprends, je n'ai que des mauvais souvenirs, cette femme joueuse et tout ça, je veux repartir à zéro avec toi, alors je vais vendre l'appartement. Ben, voilà. En 15 jours de temps, il avait vendu l'appartement à une ambassade de je ne sais trop quel pays, en location-vente pour la première année à raison de 25 000 francs par mois, parce que les 25 000 francs sont intéressants. Et puis, l'année d'après, on devait lui acheter l'appartement. Sur ce, bon, moi, ma reconnaissance de dette courait jusqu'au 30 juin. Je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas pouvoir tenir jusqu'au 30 juin avec ce type-là qui commençait à me pomper l'air. Mais enfin, bon, je me suis dit, malgré tout, il y avait de l'argent en jeu. Bon. Et là, pour le coup, bon, et un jour... Quand il y avait 7 000 francs, plus le prêt que vous lui aviez fait pour aller soigner sa fille, de combien? Voilà, il y avait quand même presque 100 000 francs. Et finalement, un jour, j'étais chez moi, un dimanche soir, je broyais un peu du noir, et il y a une dame qui m'appelle et qui me dit, madame, vous avez fait un chèque au nom de la CARPA. Je lui dis, oui, je dois partir en Chine... au mois d'août. Elle me dit, non, madame, ce n'est pas du tout ça. Je pense que nous avons fréquenté le même homme. Ah, je lui dis, c'est bien. Elle me dit, je suppose qu'il avait une BMW qu'on lui a volée. Ben, je lui dis, oui. Je suppose qu'il a un bel appartement rue de la Boétie. Ben, je lui dis, il l'a vendu. Hein. il est pédiatre.
Je dis oui, pédiatre. Il est chercheur à la Réomès. Bah oui, bah, nous avons le même. Et tout. Alors, il a une sœur qui est morte du cancer. Ah bah, je lui dis, bah oui, entre-temps, elle est morte. Alors, elle, en fait, elle, elle avait fréquenté de 95 à 98, à savoir que la sœur était déjà morte en 96. Bon, enfin bon, moi, pas de chance, il l'avait fait revivre. Donc, et puis, je lui dis, mais bon, l'histoire de la CARPA. Alors, elle me dit, la CARPA, ça vous dit rien? Moi, innocente, et pourtant, j'ai été directeur administratif et financier, j'aurais dû savoir. En fait, la CARPA n'est ni plus ni moins une association d'avocats qui récupère les fonds lorsque des gens sont condamnés. Eh bien, le fameux Christian en question avait été condamné pour harcèlement téléphonique auprès de cette dame-là, qui finalement avait fait poser un boîtier classe sur son téléphone, et on avait repéré le numéro de téléphone. Il y avait eu donc perquisition dans son appartement, mais pas du tout rue de la Boétie, il habitait à Courbevoie, dans un trois pièces où il n'y avait rien dedans. Donc, moi, donc en fait, l'argent que vous lui avez donné a servi à payer ses dettes, si je me comprends. Oui, parce que pourquoi le chèque? Parce qu'il était interdit bancaire jusqu'en 2006. Et donc, finalement, il ne pouvait pas donner les 7000 francs de compte. Il a eu deux mois de prison avec sursis et 7000 francs à payer. Il fallait bien qu'il trouve une bonne poire pour un chèque, ou un chèque certifié, ou un chèque. Mais avant ça, vous lui avez donné presque 100 000 francs, vous disiez, avec votre. Oui, ben ça, c'était pour la sœur. Hein. Avec une reconnaissance de dette, avec un faux nom et une fausse adresse quand même. Hein, bon. Donc la question, comment, de quoi vit quelqu'un qui s'invente une vie professionnelle? Il vit de l'arnaque de ses proches. Comment vivait Jacques Audremont? Deux secondes, madame, si vous permettez, parce que tout le monde est très passionné. De quoi vivait Jacques Audremont? Effectivement, Jean-Claude Romand a d'abord vécu de la confiance de ses parents. Ses parents forestiers, il a vidé les comptes, les parents lui avaient acheté un appartement pour faire des études, il l'a vendu, et puis ensuite il a vécu de petites arnaques de ses proches, oui. Comment vous êtes-vous séparés? Eh bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai su tout ça, j'ai téléphoné aux renseignements généraux, qui m'ont effectivement donné un CV de cet animal, qui m'a dit, mais écoutez, de toute façon, il n'a même pas le bac, il circule effectivement dans tous les hôpitaux, et il assiste à tous les colloques, hein, parce que tout ce qui est ouvert au public, ben, on peut y assister. En fait, il navigue dans les cafétérias, dans la bibliothèque. Il est connu. Il a escroqué pendant 30 ans toutes les femmes. Hein, mais il n'y en a qu'une qui est effectivement la fameuse dame qui m'appelait, qui s'est révoltée. Et là, il s'est pris 2 mois de prison avec sursis et une amende. Et voilà. Avec le recul aujourd'hui, c'était il y a combien de temps? Ça s'est terminé il y a 2 ans, mais j'ai quand même de la... Bon, vous avez l'air déjà assez méfiante vis-à-vis des hommes, en disant celui-là n'était pas comme les autres, etc. Oui. J'étais déjà très méfiante, mais alors là, ça n'a pas arrangé l'histoire. Ouais. Hein. Anne, ça vous inspire quoi, cette histoire? Oui, mais s'il ne vous avait pas raconté tous ces mensonges, il ne vous intéressait pas. Ah. Puisque vous disiez non, pas que... du tout, ne pas dites mal. Pas ça. Ce n'est pas exact ce que vous dites. Pour la bonne raison bonne que... Bonne remarque. Non, c'est une très bonne remarque. Mais ce n'est pas du tout l'aspect financier qui m'intéressait chez cet homme. C'est sa brillance intellectuelle. Non, je ne parle pas que de l'aspect financier, mais le fait qu'il soit intéressant, qu'il soit... Je ne sais pas, son appartement rue de la Boétie, visiblement, vous en êtes souvenu. Je l'ai apprécié, effectivement. Parce qu'il il dégageait de lui quelque chose. Il était intéressant, il parlait d'un tas de sujets très intéressants. Il s'exprimait bien, il était relativement... il était très bien élevé, il avait de bonnes manières, donc il avait tout de l'homme bien élevé, sortant d'une très bonne famille et tout ça. Mais si vous avez dit qu'il habitait un petit appartement, qu'il n'avait pas de situation, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir... Aucune importance, si vous voulez, bon, moi... Alors donc, c'était une bonne question, mais elle vous a répondu, vous avez vu, elle vous a dit, pas du tout, vous avez tort. Les gens ne m'intéressent pas pour leur porte-monnaie, gens ne m'intéressent que pour ce qu'ils ont dans le crâne. Ouais. Je ne crois pas que ce soit le côté flatteur du médecin. Bon, c'est vrai, il y a toujours une connotation de l'amour du prochain chez un médecin qu'on a gardé. Surtout un pédiatre. Surtout un pédiatre, c'est vrai aussi. Non, mais comme elle s'occupait d'enfance, très bien. Les psychiatres aussi. C'est les ingrédients du mensonge. C'est toujours le compassionnel, la compassion, il est pédiatre, etc. Il lui arrive des tas de misères. Il est pareil, malheureux pareil pour le, non, mais l'alerte pour à la le maladie vôtre, et tout ça, pareil ça, ça pour Jean-Claude Romand. C'est des ingrédients qui sont... Il aura dramatisant. Toujours des histoires extraordinaires, d'une part. Donc, c'est la garde à vue de 8 jours, c'est l'accident invraisemblable avec une voiture diplomatique pour Jean-Claude Romand, c'est le voyage en Chine, peu importe. C'est des ingrédients qu'on retrouve. C'est des espèces d'accessoires de du mensonge. Oui, c'est ça, les fondamentaux du mensonge, un peu. Le compassionnel. C'est beaucoup de romantisme au sens large du terme, beaucoup de drame. C'est important, le romantisme, parce que finalement, qu'est-ce qui attire la femme?
c'est justement tout ce côté, en fait, sentiment... bon, bah oui, il faut être logique aussi, quand même. Hein. Bon, bah, c'est vrai que tout ce côté-là... Bon, et puis, c'est vrai que le problème de sa sœur... Bon, c'est vrai que j'ai vérifié, elle est vraiment morte. Ah mais, bon Quelle horreur. Quelle horreur. Oui, il est tombé sur la force quand même de cette histoire, c'est qu'elle a utilisé ses propres armes. Enfin, c'est quand Il m'a dit qu'il avait aussi un cabinet de pédiatrie à Saint-Cloud. Attendez, j'y suis allée. On ne l'a jamais connu. Pendant 6 ans. Bon, alors quand même, il y a des failles. Vous avez dit au début de cette émission que vous aimez bien créer des personnages. Est-ce que vous avez déjà créé un personnage comme ça sur une longue durée? Non, non, non. Ce n'est pas sur des longues durées. C'est des personnages. Bon, je vais être une bourgeoise. Après, je vais me fringuer en rappeuse. Mais c'est pour la journée, vous voyez. Ce n'est pas des longues, longues, longues périodes. Et dans quel état ça vous met de raconter des histoires, de vous inventer des personnages? Ben, ça m'égaye le quotidien. Ça me fait délirer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des menteurs, enfin des hommes qui se racontent des histoires comme ceux qu'on a décrits? Moi, j'ai vécu 15 ans avec un mythomane, bon, léger par rapport à ce que je viens d'entendre, bien sûr. Mais moi, je trouvais que ça lui donnait un charme exceptionnel. Qu'est-ce qu'il racontait, par exemple? Oh, ben, une fois, il me dit, je vais acheter les cigarettes, je reviens, puis il revient 3 jours après. Donc, j'étais furieuse, j'avais envie de l'étrangler. Et tout de suite, il me montre un pansement énorme sur le ventre. Il me dit que c'était pris un coup de couteau dans une bagarre. Donc, on sentait qu'à l'intérieur, il y avait un tuyau, je ne sais quoi. Et alors, bon, évidemment, je n'ai pu l'engueuler, puisque le pauvre... Et bon, le temps a passé comme ça. Et 3 jours après, on était dans le bain, en train de rigoler. Et le pansement s'est enlevé, il n'y avait absolument rien. Et alors ? Parce que tous les jours, il partait en plus... se faire changer le pansement à l'hôpital et tout. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez dit ce jour-là? Vous avez une explication? Ben, malgré devant le fait accompli, il disait qu'il trouvait toujours des explications. Et moi, après, bon, j'avais compris qu'il mentait. Donc, je le poussais pour voir dans ses derniers retranchements. Et il trouvait toujours, c'était formidable. Moi, ça me faisait délirer. Ça vous faisait délirer? Ah ouais. Qu'est-ce qui vous a déliré comme ça, c'était hallucinant, quoi. C'était toujours... Le fait qu'il invente une autre vie que la sienne, ça... Pourquoi? Parce que vous trouvez que la vie est trop triste, globalement? Oui, je trouve que la vie, je trouve que les gens s'emmerdent dans la vie. Moi, je m'emmerde pas. La plupart des gens que je rencontre... Dans vos vies, quoi, dans vos... Oui, enfin... Mais vous mentez souvent? Tout le temps. Vous mentez à tout le monde ou il y a des gens à qui vous ne mentez pas? Non, mon fils, je ne mens pas. Et quand il vous voit mentir, lui, comment réagit-il? Ben, en fait, il ne me voit pas mentir, puisque... Ben, si vous mentez tout le temps, de temps en temps, il est avec vous, non? Oui, mais bon, il est petit encore, donc bon, il ne se rend pas bien compte. Mais bon, la journée, c'est vrai, il est à l'école, en plus, il fait du piano, donc bon... Il est occupé. Il est occupé, voilà. Ouais. Si on vous interdisait de mentir, qu'est-ce que vous perdriez dans la vie? Ah, je crois que je perdrais beaucoup parce que vraiment, je ne m'ennuie jamais. J'ai l'impression que c'est comme une drogue. Vraiment, je n'ai pas l'intention du tout d'arrêter. Vous improvisez ou vous préparez vos mensonges? C'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Vous avez déjà été en situation délicate à cause de vos mensonges? Ben, je me suis brouillée avec une amie parce qu'un soir, je lui ai fait croire que j'étais invitée dans une soirée people. Et bon, elle voulait venir à tout prix. Alors j'avais beau lui dire que c'était pas possible, qu'elle n'était pas invitée. Elle a insisté à tel point que j'étais obligée de dire, bon, mais ça va, écoute, rendez-vous telle heure, tout ça. Donc bon, comme c'était quelqu'un d'assez important qui nous invitait, pas Bernard. C'était quelqu'un dans la mode. Ouais. J'ai su qu'elle s'était préparée, je lui ai donné un faux rendez-vous, quoi. Vous l'avez posé à lapin. Voilà. Donc, là, vous êtes brouillée maintenant? Voilà, là depuis, on ne se voit plus parce que je crois qu'elle n'a vraiment pas apprécié. Ouais. Mais je préférais lui faire un beau bar, enfin, que reconnaître. En tout cas, vous ne vouliez pas reconnaître votre beau bar. Je ne voulais pas reconnaître mon mensonge. Je m'aperçois. Mais vous êtes étonnée globalement par la crédulité des personnes? Alors là, c'est. J'en reviens pas moi-même. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je continue, parce que je me dis c'est tellement rigolo, parce que je me dis mais les gens sont tellement crédules, c'est incroyable. On peut leur faire croire tout ce qu'on veut. Vraiment, je sais pas, c'est hallucinant. Étonnant.
Ça étonne. Bien, Anne, est-ce que vous vous définissiez comme menteuse pathologique au début de cette émission? Tout à fait. Oui, parce que je me souviens que de toute petite, je téléphonais à ma mère, je lui faisais croire, je me faisais passer pour la directrice du collège, et puis je lui disais que sa fille avait eu un accident. Alors bon. Et elle le croyait, votre... Ma mère, elle pitait à tout. Alors elle, vraiment, c'est le client idéal. Hein, d'ailleurs, je continue toujours à lui mentir. Bon, maintenant, elle sait, évidemment, hein, puisque. Elle a découvert hein, que je mentais, je suis sa fille quand même. Okay. Mais vous continuez à essayer de lui mentir? Oui, oui, oui. Oui, parce qu'au départ, elle... Non, pas mon fils, parce que... D'ailleurs, c'est pour ça que je suis masquée aujourd'hui, parce que je veux le préserver. J'estime que quand on met un enfant au monde, il n'a rien demandé, donc... bon, je ne voudrais pas non plus... je veux qu'il se fasse sa propre idée de la vie et qu'il ne soit pas... Vous avez dit pathologique. Est-ce qu'à force de mentir tout le temps, de s'inventer des histoires, on ne peut pas finir par se perdre un petit peu, se diluer, puis savoir très bien qui on est, quoi? Oui, bien sûr, on se perd, mais bon, moi, je préfère me perdre plutôt que de vivre une vie bidon, à rien foutre, à m'ennuyer, comme tous les gens que je rencontre. Ils font des histoires pour des broutilles, ils doivent vraiment s'emmerder pour... C'est vrai, des histoires de voisinage et trucs comme ça. Moi, ça m'arrive jamais. Tout le monde me parle, je suis fâchée avec personne. J'ai plein d'amis. Donc, bon, pour moi, le mensonge, ça m'apporte. T'as d'amis à qui énormément. Vous pouvez mentir, tout ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Vous en pensez? Est-ce que madame vous semble malade? Elle est dépendante. Elle est dépendante? Vous êtes dépendante? Elle me semble dépendante. Elle ne peut pas décrocher. Elle en parle comme une toxicomane parlerait de sa drogue. On a l'impression, madame, que vous luttez contre l'ennui. Ah que vous avez une espèce d'invention comme ça à mesure et de recherche de sensations. Vous surfez comme ça sur une improvisation et seule l'improvisation vous amuse. C'est pour ça que... Et la réaction des autres. C'est pour ça que tout le monde est crédule, parce que ce n'est pas dans la durée, votre mensonge. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'élaboration. Votre interlocuteur change sans arrêt et vos inventions aussi. Est-ce que madame peut être en danger pour autant? Est-ce qu'elle peut se perdre, comme on dit, enfin, peut très bien savoir où est sa personnalité? Ou est-ce que ça reste et ça demeurera un jeu? Autant que vous puissiez en juger en quelques minutes, évidemment. Peut-être le danger, ce serait ici, peut-être l'escalade. C'est-à-dire que ce qui, aujourd'hui, lui permet de se préserver de l'ennui ne fonctionne plus demain. Donc, nécessité peut-être d'inventer des choses de plus en plus extravagantes pour se faire des sensations, parce que c'est quand même de ça dont on parle. Hein. C'est tout. En revanche, je la crois lorsqu'elle dit qu'elle ne ment pas à son enfant. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la mythomanie, elle n'a pas besoin d'y croire elle-même. On est bien crédule. Elle fabule. Oui, vous consultez un psy, vous? Oui. Oui. J'ai consulté un psy parce que, bon, pour faire plaisir à mes parents. Ah. Parce que je leur en ai tellement fait baver que, bon, et puis ce psy... Il a dû en entendre, bon, des histoires, comme... oui. Oui, il en entend et il est fasciné par moi parce que... Il s'amuse au moins, ça doit le distraire de ce qu'il entend. Oui, je pense que ça le distrait, oui. Ouais. Et puis surtout, enfin, ça, je sais pas, je ça crois vous guérit pas, mais ça vous rend pas plus malade. Je suis la seule de ces patientes qu'il n'arrive pas à cerner. À cerner. Donc, ça le fascine. Bon. Michel, vous avez été victime, vous, d'un mensonge, enfin, oui, autant sûr. Que puisse, mais d'un très gros mensonge. À 50 ans, vous avez découvert que ceux que vous croyez être vos parents depuis toujours n'étaient pas vos parents. Vous nous avez dit être vraiment bouleversé par cette nouvelle, ce qui est à la fois facile à comprendre et en même temps un peu difficile, puisque jusqu'à 50 ans, vous avez vécu heureux avec ceux que vous pensiez être vos parents. Oui, bien sûr. Le fait de savoir qu'on vous a menti pendant aussi longtemps qui est bouleversant? C'est le fait que j'avais toujours confiance en mes parents adoptifs, en fait. Et du jour au lendemain, je me suis senti trahi complètement. Et quand vous leur avez dit que vous le saviez? Quand je leur ai dit que je savais, ça a été très dur pour moi. Je n'ai pas... J'ai demandé à ma mère adoptive... Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle s'est effondrée en larmes. C'était sans doute une façon pour elle de se taire avec le recul maintenant. Je constate que c'était une façon de se renfermer encore davantage dans ce secret-là, de 50 ans. Vous avez des frères et sœurs? Et non, j'étais enfant unique. Vous avez des enfants? Oui, j'ai deux fils et deux petites filles. Qu'ils savent aussi? Qui savent, oui. Cet été dernier, j'ai appris à ma petite fille la vérité. En lui disant que Susan, sa grand-mère, n'était pas ma mère. Vous cherchez toujours votre mère adoptive? Alors, je cherche ma mère adoptive, Léon. Votre mère naturelle, ma mère naturelle, c'est moi. Léon, qui vous savez a qu'elle accouché s'appelle Léon, le 4 novembre 1947 à l'hôtel Lieu de Poitiers. C'est ma vie désormais. Geneviève et moi passons notre temps à rechercher ma mère. Reportage de Lux Milovici, Sandrine Burnacci et Olivier Martinet.
C'est vos parents, ici, sur les photos ? Non, là, il s'agit de ma belle-mère, qui est récemment décédée. Et là, mes beaux-parents, et mes petites-filles, et toute la famille de ma femme, en fait, qui est là. Il n'y a aucune photo de vos parents adoptifs ? Non, en effet, oui. Pourquoi ? J'ai pas jugé utile de les afficher en ce moment, parce que j'en ai plutôt honte. Ils sont comme interdits de séjour. Alors ? Ah, ouais. Je regarde les photos, là. Ah, oui, oui. Oh, et donc, qu'est-ce que tu étais blond, regarde. Blanc, moi, c'est ces photos que j'adore, là, celle-ci de 51, là. Ouais, j'avais tout en champ pour celle-ci. Qu'est-ce que tu es beau, hein. Là, j'avais pas encore les cheveux coupés. Non. Et là, regarde, t'as vu les habits, en plus, que tu as T'es chicose, hein. Tout est faux, en fait. Là, je vois une mère et son enfant, et en fait, c'est pas une véritable mère. Il faut absolument demander à vos parents adoptifs la vérité, sinon faites des recherches sur ce qui a été fait avant la mairie. Ben ça, c'est une lettre anonyme que j'ai reçue le 2 mars 1984. J'avais 37 ans à l'époque. Ma mère, avec un aplomb extraordinaire, m'a dit « Non, non, mais ne tiens pas compte de ça, c'est n'importe quoi. » Je la croyais totalement. J'avais aucune raison de mettre en doute la parole de mes parents. J'étais leur enfant, et un point c'est tout. 13 ans plus tard, Michel découvre chez le notaire que ses parents lui ont bel et bien menti. La notaire a sorti l'extrait de naissance et là, on a vu dans la marche que c'était marqué légitimé adoptivement en 52. Donc tout s'écroulait pour nous, quoi. C'est vrai qu'on a pendant plusieurs nuits, on n'a pas dormi, on se posait des questions. Michel n'arrêtait pas de dire « je suis plus personne, je ne vaux plus rien », il doutait de lui. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse me mentir pendant 50 ans et même plus, parce qu'en fait, si je ne l'avais pas découvert, il serait peut-être, dans quelques années, décédé avec leur secret. Et là, je ne l'aurais jamais su qu'à leur mort, et encore. Ben là, on est au bord du lac où j'ai fait venir ma mère adoptive lorsque je l'ai invitée après avoir appris le secret. C'est là que je lui ai posé la question de confiance. Que s'était-il passé exactement? Elle m'a dit simplement « je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai dû adopter un bébé dès l'âge de 8 jours ». Et ça s'est terminé là. Elle m'a demandé surtout de ne pas en parler et puis on s'est effondrés tous les deux en larmes. Donc pour moi, c'était une palissade, en fait, je m'en doutais bien. Ce que je voulais, c'était ce qui s'était passé au-delà de ce simple fait d'adopter. C'est-à-dire, Léone, qui était-elle vraiment ? Léone, c'était le nom de c'est le nom de ma vraie mère, que j'ai appris par la suite. Et de cela, je n'ai jamais rien su de sa bouche jusqu'à maintenant. À part Michel, toute la famille était au courant depuis toujours, mais personne n'a jamais osé briser le tabou. C'est le seul lien. Oui, bien sûr, je savais. Oui, il y a bien longtemps que je savais. Comment je sais, je ne le sais pas, mais je le savais. Et vous n'avez rien dit ? Eh non, bien sûr, parce qu'on savait qu'il ne fallait pas le dire, donc on ne le disait pas. L'ensemble de la famille m'a trahi, et là, je me dis que ils sont pas du tout coupables, puisqu'en fait, ce secret était tenu dans une poigne de fer par mon père adoptif. Et donc, si les membres de la famille avaient contrevenu aux ordres, et il y aurait eu certainement un autre séisme aussi. Moi, je pensais que ses parents le lui diraient en temps voulu, mais... Donc, je pensais que mon rôle n'était pas de le lui dire, qu'il fallait que ce soit ses parents qui lui disent, pour ne pas créer de traumatisme, en somme. Ah oui, d'accord. Bah c'est une lettre qui a 4 feuilles à chaque fois, c'est pas comme Poitiers. La loi du silence qui règne encore dans sa famille condamne Michel à essayer de faire parler les archives. Tous les 15 jours, il fait près de 500 km pour se rendre dans sa ville natale, à Poitiers. C'est une enquête de gendarmerie qui a été faite au sujet de mes parents adoptifs quant à leur aptitude à m'élever. Et j'ignorais totalement qu'une telle enquête avait été faite. Que c'est en effet une pièce nouvelle. Toute pièce qui reconstitue mon histoire est bienvenue. Et c'est toujours émouvant pour moi de me replonger là-dedans. C'est terrible. Cette recherche pour nous est devenue très intense.
ça nous prend beaucoup de temps, notamment les vacances. Bon, on a passé notre temps à rechercher, quoi, à étudier aux archives. Et au lieu d'aller se promener, on a fait le choix de rechercher. Mes recherches m'ont conduit à retrouver une femme qui a accouché le même jour pratiquement que ma mère Léone. Et cette femme a pu me décrire, c'est extraordinaire pour moi, a pu me décrire ma mère. Moi qui ne la connais pas du tout, cette femme a pu me la décrire, donc c'est merveilleux. Et on lui porte des confitures. Ouais. Parce que c'est un lien d'amour. Avec elle. Elle fait presque partie de notre famille en attendant de retrouver ma vraie mère. Je veux dire, j'ai jamais entendu le son de sa voix, ouais. Ça, c'est sûr. Et quand il présentait le petit, enfin, si c'était vous. Ouais, ouais. Elle se tournait dans son lit, elle ne voulait pas. Elle détournait son regard pour pas me voir. Si vraiment elle est obligée d'abandonner, elle ne voulait pas vous voir. Quoi. Ça se comprend. Bien sûr. Elle était malheureuse. Pour moi, elle est obligée de le faire. Parce qu'elle avait quand même un maintien. Elle était quand même... on voyait qu'elle était de la haute, quoi, qu'elle n'était pas... Et au départ, on cherchait des bonnes, en fait. Ben oui. Donc on a changé totalement de direction parce qu'elle n'avait pas la touche d'une bonne. Non. Elle était claire, Chantal très claire. Elle avait des cheveux comme ça, tout cranté, tout frisé. Et puis elle avait un visage allongé comme ça. Hein. Ah oui. Si cette émission peut vous aider à la trouver, vous nous avez dit ce que vous saviez d'elle, c'est-à-dire son prénom. Léone, et qui a accouché le 4 novembre 1947 à l'hôtel Lyot de Poitiers. Et donc les sages-femmes la connaissaient par ce prénom-là. Votre famille entière a également porté secret pendant ces années, pas seulement vos parents. Est-ce que c'est d'autant plus dur de savoir que tout le monde autour de vous, enfin je l'imagine, savait les choses? Bien sûr, notamment ma cousine... Qui parle 17-18 ans, oui, qui parle, qui m'en a jamais parlé, mais on en a parlé entre nous et je leur ai dit, oui, en effet, c'était pas à vous de le dire. Elle m'a dit, dès que je lui ai appris que je savais, elle m'a dit, et la plupart m'ont dit la même chose, m'ont dit, tu comprends, on pouvait pas te le dire, c'était pas à nous de te le dire. Vous savez pourquoi ils vous ont menti, à votre avis? Mais ils m'ont menti, à mon avis, davantage pour se protéger, eux, que pour me protéger. Puisque lors de la confrontation question-lettre anonyme, le secret a toujours été conservé. C'était pourtant, à mon avis, une occasion inespérée pour eux de s'arracher. Oui, mais 35 ans plus tard, hein, 35 ans, c'est déjà un morceau de vie, quoi, 35 ans. J'avais 35 ans, ouais, j'avais deux filles, j'avais mes deux fils. Oui, et vous les avez complètement cru, si je peux me permettre. Voilà, oui. Alors là, j'ai totalement cru mes parents, qui ne croiraient pas ses parents, par défaut. Je n'avais aucune raison de douter de la parole de ma mère adoptive, qui plus est, elle était très sûre d'elle-même, aucune hésitation. Est-ce que vous pouvez nous dire, Paul, ce qu'on comprend intuitivement, à savoir pourquoi ça fait aussi mal un mensonge qui touche à ses origines? Moi, ce qui m'étonne, monsieur, en vous entendant, c'est qu'on a l'impression qu'à ce moment-là, vos parents adoptifs ont cessé d'être vos parents, en vous mentant. Alors que lorsqu'on entend des enfants adoptés, très souvent, ils désignent leurs parents affectifs, c'est-à-dire ceux qui les ont élevés, restent de façon indéfectible leur père et leur mère. Alors pourquoi ont-ils perdu ce statut? Parce que, comme je le disais, je crois que... mes parents adoptifs ne sont pas allés jusqu'au bout de leur amour. Quand on aime un être humain, on doit lui dire la vérité et pas lui cacher. Surtout que j'avais 37 ans et j'avais droit à cette vérité. Ouais. Le mensonge a détruit un amour de qualité pendant ces 37 années. Est-ce qu'il y avait des failles dans la relation? J'ai ressenti cet amour durant... pendant 50 années, en fait, parce que 37 ans, il y avait... Oui, à 37 ans, il y a la dénégation. C'est vrai, j'ai pas ressenti cet amour pendant 20 ans, vraiment. J'ai ressenti cet amour
pendant mon enfance. J'ai des bons souvenirs, en effet. Et au-delà, je ne dirais pas la même chose. Ah. Mais ça n'a pas été pour autant dramatique. Hein. D'accord. On a eu des tensions. Hein, Sylvie, dites-nous comment, toute petite, votre maman vous a fait comprendre que votre papa n'était pas votre papa. Parce que vous, c'est le contraire, c'est arrivé très tôt. Oui. Oui. Elle m'a tout simplement présenté mon géniteur en me disant « c'est ton papa ». Vous aviez quel âge ? 5 ans, 5 ans et demi. Oui. Mais vous en souvenez de ça ? Ah oui. Exactement. Et quelle était votre réaction aussi, à ce moment-là ? Ouais. Le silence d'abord, ne rien dire, faire ce qu'on me demande. Et puis après, on rentre chez soi et puis on voit son père, qui a toujours été celui-là. Et on ne le voit pas différemment. Mais on culpabilise un petit peu parce qu'on se dit, bon, je l'aime encore malgré tout. Je l'aime même peut-être plus. Vous parlez de qui ? De mon père à la maison, de papa. Ouais. Mais l'autre... Mais qui pensait être votre père ? Non, il a toujours su qu'il n'était pas mon père. Mais qui s'est comporté comme un père. Oui. Oui. Les rendez-vous se sont répétés quand vous étiez... Oui, vous l'avez vu tous les mercredis, tous les dimanches. Mercredi après-midi, les dimanches matin. Et quelle relation vous aviez avec cet homme ? Distante. Moi, je n'avais rien à lui dire de particulier. C'était plutôt... j'allais le voir pour faire plaisir à ma mère et c'était plutôt intéressé parce qu'à cet âge-là, il m'offrait des choses que je n'avais pas à la maison. Vous n'en avez jamais parlé à la maison ? Jamais ? Non. Jamais. Non, mais tout se savait, mais on n'en parlait pas. Comment vous saviez que l'homme qui vous élevait le savait aussi ? Je le savais, je l'ai su plus tard, lors d'une sortie avec lui, j'allais de temps en temps faire le tiercé. Avec lui, c'était sacré. Le dimanche matin, quand je n'allais pas voir mon géniteur, et moi, ça m'arrangeait bien de ne pas y aller, on était dans un café, et le cafetier lui dit, dis donc, t'as là une jolie petite fille. Et il lui dit, oui, effectivement, elle est très jolie, mais ce n'est pas ma fille. Et là, ça a été... Alors, la fois, ça m'a fait très mal d'entendre ces mots-là sortir de sa bouche. Mais en même temps, je me suis dit, c'est qu'il le sait. Ouais. Et malgré tout, il m'aime et il me considère vraiment comme sa fille. Donc, c'est là que ça... Mon amour pour moi, il a encore évolué de plus en plus parce qu'effectivement, j'étais consciente du fait qu'il le savait, mais qu'il m'aimait malgré tout. Qu'est-ce que ce mensonge a eu comme conséquence sur votre comportement dans la vie avec les autres, peut-être avec les hommes en particulier ? Dans l'enfance, c'est des insultes, des mots comme ça qu'on sort, qui sortent de la bouche des enfants qui vont avec moi à l'école. Parce que tout le monde le savait, même à l'école ? Tout le monde le savait, les enfants qui avaient mon âge ne savaient pas vraiment de quoi on parlait, mais ils entendaient parler chez eux, forcément. Les parents parlent. Hein, et je me rappelle une fois une copine de classe qui m'a dit de toute façon, ton père, c'est pas ton père, ta mère, c'est une pute, tu n'es qu'une bâtarde. Et moi, je connaissais même pas le sens de ces mots-là. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée voir mon instituteur. Et je lui ai dit, voilà, on m'a dit tout à l'heure que j'étais une bâtarde. Je sais ce que ça veut dire quand on parle d'un chien. C'est pas une pure race, quoi, mais bon. Mais en tant que personne, qu'est-ce que ça veut dire ? J'avais 9 ans. 8-9 ans. Et il m'a dit, écoute, là, je ne peux pas vraiment te répondre, il faudrait que tu demandes à ta mère. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas demandé à maman, parce que si ça touchait maman, je faisais le rapport avec le mot putain, bâtard. Je savais que ça tournait autour de ça, donc je savais qu'il ne fallait pas en parler. Qu'elle aurait été gênée, qu'elle n'avait pas envie de me dire. Et vous n'en avez jamais parlé avec elle ? Jamais ? Jamais ? Beaucoup plus tard. Les questions sont venues beaucoup plus tard, de savoir pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, enfin, pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça, pourquoi est-ce que tu me l'as dit si tôt, pourquoi tout le monde le sait, d'ailleurs, ça ne pouvait pas rester secret. Sans pour autant que ce soit si clair. Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez eu des explications qui vous ont satisfaites ? L'explication qu'elle m'a donnée, c'est que papa l'avait trompée, qu'elle était tombée sur cet homme charmant qui habitait le même village, d'ailleurs, qui avait une femme, trois enfants. Qui sont donc vos demi-frères et sœurs. Demi-frères et sœurs. Vous avez rencontré ? Oui, j'ai rencontré un de mes frères à mon entrée en première. On est tombés dans la même classe, en fait. Moi, je le connaissais, enfin, je savais qui il était, de par son nom et par quelques photos que j'avais vues, mais lui, il ne me connaissait pas. Et vous avez joué la comédie pendant un an ? Non, j'étais tellement en colère que le soir même de la rentrée, j'ai dit à maman, il faut mettre un terme à ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Imagine, on a 17 ans, il peut un jour me regarder différemment et puis tomber amoureux, et puis pourquoi pas, on ne sait pas. Donc je lui ai dit, il faut que ce soit clair. Et puis le lendemain, ce garçon est arrivé au lycée.
sous le préau, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Bonjour, je sais qui tu es et je suis content d'avoir une nouvelle demi-sœur. » C'est tout. Et on n'en a plus jamais parlé. Elle vous a dit que vous étiez un enfant de l'amour, un moment ou un autre ? Oui, vraiment, oui. Un enfant désiré, un enfant vraiment... C'est important, ça ? Oui, et puis en même temps, c'est bien d'être un enfant de l'amour, mais c'était un poids assez lourd à porter quand même, quoi. Parce que ça a eu d'autres conséquences beaucoup plus tard. Trop aimé, trop protégé, trop... Des tenues vestimentaires différentes de celles de mes sœurs, par exemple, parce qu'il fallait dépenser une fortune dans des belles petites robes, parce qu'il fallait rivaliser avec mon autre demi-sœur, qui, elle, était soi-disant une enfant parfaite. Hein, très belle, très polie, très... Et puis je voyais, moi, ma sœur à la maison, qui était quand même jalouse. Ah oui, maman, elle t'a acheté une belle robe, mais bon, avec cet argent-là, elle aurait pu faire autre chose pour nous. Mais aujourd'hui, quand vous êtes une adulte maintenant, quel regard vous portez sur la façon dont votre mère a agi? Je ne sais pas si elle avait d'autres solutions. En fait, je me suis toujours demandé, j'ai essayé d'imaginer les autres solutions. Est-ce qu'il fallait attendre? Est-ce qu'il fallait rien dire? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu se quitter? Enfin, j'ai quitté les maris et épouses de chaque côté, et puis vivre leur histoire à eux avec nous, enfin avec moi tout au moins. Je ne sais pas, si de toute façon, quelle que soit la décision qu'ils aient prise, il y aurait toujours eu quelqu'un qui aurait souffert, de toute façon. Bon, en l'occurrence, là, ça a été moi le plus, mais je pense que tout le monde en a souffert, même mes demi-frères et sœurs à la maison. Mais de vivre avec la conscience d'un gros mensonge dès qu'on est toute petite, est-ce que ça rend... Quelle relation ça crée avec le mensonge pour plus tard ? J'ai horreur du mensonge, forcément. Je supporte pas le mensonge, mais en même temps, je sais que j'ai menti à mon père jusqu'à sa mort, parce qu'on n'en a jamais parlé, mais pour le protéger. Mais on n'en a jamais vraiment parlé. Moi, je lui ai dit « Je t'aime une fois dans ma vie, c'est deux jours avant qu'il décède. » J'avais envie d'aller plus loin, de lui dire « Tu sais, je t'aime... » D'autant plus que je ne suis pas ta fille et que tu le sais. Mais c'est pas venu parce qu'il y a toujours eu un mur, il y a toujours eu un problème de... Le point et puis on n'avait pas besoin de se parler pour s'aimer. Quoi. C'était vraiment très fort. C'était... Merci Sylvie. Paul, tout le monde ment vraiment ? Ah oui, je pense que tout le monde ment, oui. Oui, oui. Je pense que ce serait pas vivable dans le cas contraire. Une société dans laquelle on serait transparent et dans laquelle on dirait à tout moment... à notre interlocuteur, ce qu'on a dans l'esprit, l'air ne serait pas respirable. Si on quittait les personnes qui nous ont reçus à dîner en leur disant qu'on s'est ennuyé à mourir, effectivement, on se fâcherait, on ferait du mal, et puis c'est peut-être inutile, il suffit de se dire qu'on n'y remettra pas les pieds. Que l'émission était très bien, etc. Que l'émission était très bien, que la communication du collègue au congrès était formidable, qu'elle était innovante, enfin... Ça aide à vivre. On parlait d'oxygène, de respiration sociale. Je crois que ça aide à vivre, sinon on serait en permanence dans la haine, dans la trahison, dans... À partir de quel âge les enfants commencent à raconter des histoires ? Alors là, on touche à un domaine sensible. Ouais. Classiquement, le tout petit ne ment pas et l'enfant découvre le mensonge vers l'âge de 6-7 ans. Mais il découvre le mensonge avec toute sa charge de culpabilité. Piaget a décrit ce qu'on appelle l'apparition du jugement moral chez l'enfant, c'est-à-dire la conscience du bien et du mal. Donc classiquement, un enfant tout petit ne peut pas mentir. Pourtant, on sait bien qu'il ne dit pas forcément la vérité. Si un petit vous dit qu'il n'a pas renversé le vase de fleurs alors qu'il était seul dans la pièce, on sait que ce n'est pas vrai. Mais ça n'a pas la connotation du mensonge de l'adulte. C'est imprégné d'imaginaire de réalité. C'est-à-dire l'enfant croit qu'il peut faire coller la réalité à son imaginaire. Donc il dénature la vérité, mais bien sûr, ce n'est pas avec l'intentionnalité de l'adulte. Néanmoins, il y a des petits mensonges utilitaires qu'on retrouve très tôt. Enfin, ceux qui ont des enfants le savent, il n'y a pas besoin d'interroger un psychiatre. Un enfant qui prétexte, par exemple, qu'il a soif parce qu'il n'a pas envie d'aller se coucher ou qu'il a faim pour retarder l'heure de l'endormissement, bon, on sait bien qu'il se moque un peu du monde, ça nous fait sourire. Mais c'est un mensonge, enfin, ça a toutes les caractéristiques du mensonge. Il dénature la vérité, il y a une intentionnalité qui est d'abuser, qui est de tromper. Enfin, c'est un mensonge, mais il n'est pas chargé de culpabilité, il est anodin. On peut aussi différencier les mensonges d'une autre manière. Il y a le mensonge qui ne fait pas de mal et il y a celui qui fait du mal aussi, non, peut-être ? Absolument, il y a le mensonge anodin, charmant... Il y a le mensonge qui n'est même pas fait pour être cru, par exemple. Hein, le mensonge par excès. Pour embellir la vie. Voilà. Pour la magnifier. Et puis il y a l'autre mensonge qui est plus pervers, dont on a parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Que nous allons conclure maintenant, Monsieur Giraud, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup.
Ça va, vous allez bien? Ça va. C'est long, mais c'est intéressant. Merci. Non, je disais c'est long, mais c'est intéressant. D'accord, c'est ça. Et là, vous avez menti une fois. Là. Non, le seul mensonge... C'était pas court. En tout cas, c'était pas court. Hein, ouais. Le seul mensonge de la soirée, c'est que c'est ça. C'est que j'avais pas du tout l'intention de mentir. C'est le seul mensonge que j'ai fait. Non, alors si j'ai dit ça, c'est très embêtant, surtout avec un docteur. Ça veut dire que je perds un peu la boule. Évidemment, je mens. Évidemment que je mens, et je mens très souvent. Et je trouve qu'on n'avait pas parlé beaucoup ce soir. Je suis incapable de faire la synthèse de tout ce qu'on a dit, hein, par conférencier. On n'a pas parlé ce soir, mais on a un peu abordé maintenant des petits mensonges des enfants, des petits mensonges nécessaires. Moi, il m'arrive très souvent de mentir, effectivement. Quand je suis invité chez des copains à voir une pièce de théâtre ou un film qu'ils ont fait, ils sont fous de joie. Et de ça. Ça va cartonner. Je vais voir la pièce et je suis effondré. Alors que je les aime beaucoup et que c'est des bons comédiens, je ne suis incapable de leur dire la vérité. Je suis incapable de dire à un comédien ou à quelqu'un qui est enthousiaste, vous le savez, de lui dire « Non, 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 ça, non, franchement, tu es très bien, mais l'histoire, non, tu vois. » Ou alors « Tu es bien, mais je t'ai vu mieux. » Ça, c'est épouvantable. J'étais beaucoup touché par tous les témoignages. J'ai appris des choses alors, étonnantes. Parce que moi, la chance d'avoir une thérapie dans ma vie, c'est que je suis tout le temps différent. Je suis tout le temps un personnage. On me paye pour ça. Pourvu que ça dure. Non, je dis bien pourvu que ça dure. Enfin, pour le moment, ça va. Et donc, j'ai pas besoin de faire des choses qui m'épatent beaucoup et qui me font un peu rire. Mais dites-vous bien que je me moque pas du tout de vous, hein, quand je dis que ça me fait rire, parce que j'imagine ce que c'est. Je suis sûr que des fois, ça vous fait rire aussi. Mais au bout du compte, madame et madame ont dit... pas madame, mais madame a dit que des fois, c'était un peu lourd à porter. Bon, ça, c'est très intéressant, et je le crois. Donc je crois finalement que les mensonges sont souvent très lourds à porter. Il n'y a pas de morale à faire, de jugement à porter, mais ça doit être difficile des fois. En revanche, moi, j'ai m'est arrivé de faire des mensonges graves, des mensonges avec des personnes qui étaient malades. Et quand je vois dans leur œil qu'ils savent que je sais, et qu'ils savent que je ne le dis pas, et qu'ils savent que je mens, c'est très très dur, ça. C'est très très difficile. Et malheureusement, je l'ai vécu, j'espère ne pas le vivre souvent. Le cas de monsieur m'a beaucoup touché aussi, si vous me permettez, parce qu'il a eu, je trouve, un courage extraordinaire de dire ça à sa femme. Ce qui ce qui m'inquiéterait peut-être un peu plus, c'est l'attitude de votre petite fille, qui ont l'air parfaitement épanouie, qui savent qu'elles sont aimées. Mais je ne sais pas comment elles peuvent vivre ça quand même, quoi. Mais ça apparemment, elles le vivent bien. Je souhaite que ça dure. Quand, monsieur Michel, dans ça, l'adoption est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, moi, parce que je connais beaucoup de cas. Je dois dire très franchement, puisque en misant sur le mensonge, on peut dire la vérité aussi, je dois dire très franchement que j'ai rarement vu de cas qui soient aboutis et heureux jusqu'au bout. Parce que je crois que tôt ou tard, l'enfant en veut à la mère ou aux parents de ne pas l'avoir gardé, et ils en veulent aussi aux parents de l'avoir adopté. Moi, il me semble que si on me disait maintenant, ta mère, que malheureusement je n'ai plus, ou ton père, ne sont pas tes parents, je m'en fous éperdument, je les aime pareil. Alors j'aurais la curiosité naturelle. C'est leur attitude qui me fait dire ça. Oui. C'est leur attitude à eux qui me fait dire ça. Je comprends qu'ils aient été, je ne vous accuse pas, mais je comprends qu'ils aient été peut-être aussi blessés de savoir que ce que vous prenez pour un mensonge, c'est peut-être leur secret. Quel secret, c'est ça. Je crois que c'est un secret. Je crois que les secrets ne sont pas forcément... Jusqu'à ma mort, je le rechercherai, ce secret. Oui. Parce que c'est une partie de mon histoire qui me manque. Oui. Et tous ceux qui sont nés sous X, d'ailleurs, c'est le même cas. Et moi, on a un cas, évidemment. Mais tant que je n'aurai pas retrouvé cette histoire, pour moi, ça sera un manque énorme. Oui. Alors, c'est curieux, parce qu'on a vu des choses donc, qui sont intéressantes, ou qui peuvent paraître légères ou un petit peu... Et puis, plus graves. Plus émotionnel. Et puis le cas de M. Roman, bon, ça je comprends que c'est quelque chose de terrible. Quoi. C'est terrible. C'est le paroxysme du mensonge, et je crois que c'est l'exemple le plus dur qu'on a vu ce soir. Ouais. Même si on ne l'a pas vu directement. Oui, mais vous savez, des mythomanes, moi j'en vois beaucoup aussi, et j'ai toujours souhaité ne jamais l'être, et je crois que je suis le contraire de ça, heureusement, puisque même on m'a souvent reproché, écoute, fais pas le modeste, mais je suis sérieux quand je dis que, honnêtement, quand je vois des gens qui ont payé pour me voir dans une salle, même maintenant, ça fait 35 ans que je vis de ce métier, je suis toujours sidéré. Je le dis, et voilà, ils rigolent, ils disent, arrête, tu fais le stop, c'est pour qu'on me dise non. Non, c'est vrai, je suis toujours sidéré. Mais je ne vois pas la notion de mensonge là-dedans. Par contre, vous savez, les Marseillais disent, on ne dit pas de mensonge, on enjolive la vérité. Mmh. C'est assez joli, ça. Ouais. Et je crois qu'on peut enjoliver la vérité sans forcément dire de mensonge. Et Anne de Marseille, par exemple. J'ai compris que j'étais de par là. Oui. Voilà, j'y rejoins un père et père au théâtre de la Michaudière. Il était notre invité ce soir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Le dernier journal à suivre à mercredi prochain. Merci. Bonsoir. Bonsoir.